Bonsoir. Ah, on est bien. Le son, ça va? Ça va à vous? Ah, bonsoir. Bonsoir, mes petits amis. Ah, ça y est, il y en a qui causent. Ça y est, c'est parti. Ah. Est-ce que le son est bon? Dites-moi tout. Ça va, le son est bon. Merci, mon cher Eric. Merci, mon cher The Alchemist. Et bonsoir à tous. Petit comité ce soir. Petit stream indépendant. Petit stream de l'infidélité. Ce soir, nous allons... Voilà, fauter. Pas d'Amstrad CPC. Pas d'Amstrad.U là, qui défile ici. Là, là, ici, là, voilà. Non, non. Pas d'Amstrad.U, pourquoi? Parce que on est triste ce soir, l'heure est grave, on n'a pas eu de nouveaux défis pour l'Amstrad de GRS12. Alors on est triste, et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un petit bébé qui est ici présent, qui chauffe hein, d'ailleurs, qui est un vidéopack Rashkit. Un joli vidéo pack. Et ce soir, oui, nous allons aller plus loin dans les jeux d'un daron. Encore plus loin. Les jeux des grands darons. Est-ce que ça se dit? Peut-être, oui. Encore plus vieux. Allons plus loin encore, au fond des choses. Et évidemment, bonsoir évidemment à ceux qui ont parlé. Parce que je... Évidemment, je salue tout le monde. Mais ceux qui sont là, évidemment, Eric et le directeur est là. Bonsoir.
Sophie The Alchimiste est là, mon petit couple est là. Bonsoir à eux, merci d'être là, merci d'être présent, ça fait plaisir. GRS12 est là, Xtrabay est là, Original, oui. Bonsoir à vous deux, bien sûr. Et nous avons Inak qui est là, merci d'être là, Inak. Nous sommes une petite douzaine et on est bien. Qu'est-ce que vous voulez? On est bien. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais manifestez-vous, faites des bisous. Voilà, c'est le stream de l'infidélité ce soir. On stream autre chose, on change, voilà. Ce n'est pas l'orage qui quitte. Ce soir, j'avais envie de vous présenter une machine qui, pour moi, prend une place très importante dans mon petit cœur de daron. Donc, c'est un vidéopack et j'enlève mes lunettes pour faire plus sérieux et pas le bonnet. Et j'ai envie de vous raconter des petites histoires. Déjà, j'ai envie de changer mon filtre Soloren Zero. Vous voyez, là, je suis un peu grisaille. On va essayer de trouver... vous voyez, c'est un stream évidemment bien préparé. Vous allez voir que tout de suite... Ah, un peu de couleur. Ça fait plaisir. Voilà. Parce que j'ai des choses à vous montrer. Donc, le vidéopack, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est vraiment un vieux truc. C'est des pixels gros comme mes doigts. Mais c'est des jeux super fun, le vidéopack. Je ne sais pas si vous connaissez cette machine. Ça, c'est une machine familiale. Et j'en suis assez fier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la petite histoire par rapport... justement, cette machine, j'en parle des fois... temps en temps, j'allais dire des fois souvent. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Je parle de temps en temps un peu de cette... relation que j'ai installateur, un ordinateur, une console, c'est une console, c'est pas un ordinateur, c'est une console de jeu, de divertissement. Est-ce qu'on peut appeler ça du jeu vidéo? Je sais pas si on peut appeler ça. C'est quoi? C'est la première génération? Deuxième peut-être, ça. Les premiers, c'est les Pong, et ça, c'est les deuxième génération. C'est de l'ordre de l'Atari 2600, voilà. Il y a un clavier, mais franchement, tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire, t'as pas de système. On te demande quel jeu, vous allez le voir d'ailleurs. Voilà, c'est pour moi, tout le débat est là. Je sais pas si c'est des jeux, en fait. Oui, c'est des jeux parce que tu t'amuses, mais c'est pas du jeu vidéo, toi, vraiment, dans le vrai jeu, tu vois. Après, c'est un autre débat. C'est une machine familiale, donc de chez Philips. Hein, c'est, en tout cas, cette machine-là, il y a eu beaucoup de déclinaisons. Ça, c'est une machine un peu... On va dire c'est comme une Game Boy, c'est-à-dire que ça se porte. Hein, vous voyez, il y a l'écran intégré, noir et blanc, évidemment, l'écran. Ça, c'est sorti directement des usines. Alors, pour vous faire une petite récap, ça, c'est donc c'est la machine familiale qui a été ramenée par mon grand-père qui bossait, après l'armée, a bossé dans une usine Philips. Il était, comment on dit, chef de rayon. Non, pas chef de rayon, chef d'équipe, on va dire chef d'équipe, chaîne de production, voilà. Et un jour, il a ramené ça, alors j'étais pas né hein, quand il a ramené ça, parce que ça, c'est fin des années 70, moi je suis né en 80. Donc, il a ramené ça, il a ramené une chier de jeu avec, donc ça, c'est l'ordinateur familial, enfin, la console familiale en tout cas. J'y ai joué une chier d'heures sur une chier de jeu. Et très sincèrement, je l'ai sorti donc très récemment. Mes gamins adorent. Alors, mes gamins ont 10 et 5 ans. Ils adorent jouer à cette bécane. Très sincèrement, arrêtez avec vos conneries de machin mini, machin truc mini, machin truc mini. Rééditez ce genre de truc avec des jeux très simples. Super fluide, hein, parce que c'est d'une fluidité... vous allez le voir, à l'écran, c'est pas très fluide parce que la capture est pas super fluide, mais à jouer, c'est magnifique. C'est fluide comme pas possible. LTF Mike, salut à toi, Shoryu80, bonsoir. Ah, on est 16, voilà, ça y est. Les gens arrivent par paquet. Nous sommes un cluster, voilà, comme le coronavirus. Donc, cette machine, vraiment, je l'ai toujours connue. J'y ai toujours joué, ça a suivi mon enfance. Voilà, adolescence, préadolescence, j'ai toujours joué à cette machine. Même encore maintenant, il y a des jeux auxquels, franchement, je m'éclate, quoi. Donc, c'est le Vidéopack, la Vidéopack, tu le dis comme tu veux, j'ai 7200, exactement, c'est ça. Il y a une version qui existe où c'est bleu marine, la même truc, mais c'est bleu marine. Voilà, moi j'ai eu celle-là. Il n'y a plus le bouton d'allumage, hein, le bouton d'allumage à chier, mais je l'ai toujours connu comme ça, c'est-à-dire qu'on le branche comme ça, à chaud, et le machin s'allume. Bon, voilà. Vous allez voir comment je change les jeux, pareil, c'est une horreur. Les jeux ressemblent... Alors, je vais peut-être allumer un petit peu de lumière. Éteins la lumière. Voilà.
Je mets un peu de lumière pour vous montrer des choses, en fait, parce que par rapport à cette machine, j'ai des choses à vous montrer, parce que faut savoir que ça, mais j'ai encore le carton, j'ai encore le polystyrène. Et petite anecdote assez sympa, le carton et le polystyrène, je l'ai vu une fois sur eBay, et je déconne pas, hein. Rien que le carton et le polystyrène de cette machine-là, c'est parti à plus de 300, 400 euros. Le carton. La machine est assez courante parce que bah, les gens ont la machine courante, entre guillemets. Mais je sais pas combien ça coûte ça. Mais rien que le carton. Hallucinant. Donc je suis riche, en fait. Voilà, vous me voyez, je suis riche. Pas besoin de me donner, en fait, des sous. Je suis déjà riche. Hein. Et je déconne pas, hein, c'est des enchères que j'ai vues. Hein. C'est pas un achat immédiat qui... Le mec, c'est, tu vois, se gratte les couilles et puis il met un truc à un prix de dingue. Non, non, le truc est parti à ce tarif-là. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Salut Stewman, salut à toi, bienvenue, assieds-toi, prends place. Donc, les jeux, en fait, sont des, en fait, des cartouches à peu près comme ça, voilà. Il y a généralement plusieurs jeux, des fois il n'y a qu'un jeu, là il y en a plusieurs à peu près, voilà. On tape, en fait, un chiffre pour lancer, ou une lettre, hein, pour lancer un jeu, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez. J'ai même encore la notice. Voilà. Alors, mon grand-père gardait tout. Hein. Ça, c'était un peu étonnant. Ça, j'ai retrouvé cette notice au moment de leur décès, en fait. Il a fallu, évidemment, comme dans tous les décès, vider un peu les placards, les trucs comme ça. Et ben, j'ai retrouvé la notice. Bon, elle est évidemment un peu usée, mais... voilà, il y a vraiment tout. Hein. Et c'est vraiment les notices des années 70. Alors, est-ce qu'il y a une date? Est-ce que je vais vous retrouver une date, quelque chose? Alors, c'est un écran, évidemment, de visualisation noir et blanc de 23 cm. Hein. Attention, hein. C'est assez badass, quoi, en fait. Hein. C'est franchement propre, quoi. Prise péritélévision, cordon péritélévision. Et c'est franchement génial. Il y a même la liste des jeux. Alors non, il y a la société Philips qui est de 200 millions de francs à l'époque. J'ai pas de date. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'avait acheté fin des années 70. Donc il est arrivé avant moi. Cette machine est arrivée avant moi à la maison. Il y a un truc que j'ai aussi. Pareil, que j'ai retrouvé lors du décès de mes grands-parents. C'est un poster immense. Avec les jeux, alors nous on a l'habitude d'avoir ça, enfin on avait l'habitude, je sais pas si ça y est encore, bah non, en fait plus du tout. Salut mon Roud, quel jeu, eh oui Inak. On avait l'habitude d'avoir des petits prospectus, vous savez, qui présentaient les jeux, alors moi j'ai connu ça, alors la NES je sais plus, la Super NES oui, on avait des espèces de petits prospectus, où on présentait les jeux comme ça. Là je vais vous montrer le prospectus Vidéopack. Alors j'espère que vous êtes accrochés. Parce que j'ai pas trouvé de cadre assez gros pour le mettre. Attention, je sais pas si c'est tous les jeux, mais voilà. Ça, pareil, je l'ai retrouvé. Et il y a des... Alors ce qui est marrant, et ce qui est un peu émouvant aussi, c'est qu'il y a des croix. Je pense que c'est mes grands-parents qui ont dû avoir la console... Et qui ont dû dire, ah bah tiens, ouais, on va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter ça. Alors évidemment, mon grand-père ancien militaire, il y a forcément les jeux de guerre, bon c'est normal quoi. Mais voilà, ils ont entouré les trucs, voilà on prend celui-là. Et il y a d'autres jeux, non, tu vois, par contre le poker, non, tu vois, c'est un peu dégueulasse le poker. Non, non, dans la famille on est catho, non, pas de truc. La programmation, tu vois, rien à foutre, Balek. Ils ont pris évidemment tous les jeux. Et alors j'avais le jeu musical, j'ai retrouvé une espèce de petit layer en fait sur le truc. Dans les archives de mes grands-parents, mais plus le jeu. Alors je sais pas. Et d'ailleurs, où c'est que j'ai foutu ce truc-là? Oh putain, il faudra que je retrouve ça. Et c'est marrant. Alors je sais pas si c'est tous les jeux. Alors par contre, ça, alors c'est impossible. J'ai pas trouvé un cadre assez gros pour le mettre. Parce que très sincèrement, ça, j'ai envie de l'afficher. Alors il y a les pliures, effectivement. Alors c'est un truc sympa, ton ampli orange. Alors merci Coco. Salut Coco. C'est collector, tout ça. Alors, le fameux poster, je sais pas si c'est très rare, un poster comme ça. Mais le poster de la NES, oui. Alors, je l'ai, le poster de la NES, tu vois. Mais c'est des bonhommes qui sont un peu mis en situation. T'as pas comme ça les jeux. Je sais que la Super NES, t'avais des petits prospectus comme ça. Il y a l'extension 780 pour le Vidéopack. Ah, d'accord. Je savais pas. Ton ampli orange, c'est un ampli bas. J'ai un ampli guitare et un ampli basse en dessous. Voilà, comme ça, tu sais. Salut Golem13, des bisous.
Ah, tout le monde est là, ça fait plaisir. Ah, vieille touche. Ouais, tu te transformes. Donc, par contre, alors, est-ce que vous avez... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qui donne des beats? Oh, mon coco, il donne des beats. Merci, mon coco. T'es un amour. Si vous avez des astuces pour... Par exemple, tu vois, bon, j'aime bien parce que c'est le côté un peu sentimental. Je sais que c'est mes grands-parents qui ont entouré les jeux. Mais bon, c'est un peu dégueulasse. Alors, je sais pas si... Est-ce que j'enlève... Est-ce que déjà, on peut enlever le stylo-bi? C'est un stylo-bi noir, apparemment. Est-ce que ça s'enlève ou pas? Auquel cas, à mon avis, je vais laisser comme ça. Et puis, c'est dans son jus. Je vais peut-être pas y toucher, pareil. Tu vois, ça, je vais pas mettre de scotch. Alors, derrière, il y a quand même... Vidéo pack for... Oh! Il y a un texte. Consultez votre revendeur vidéo pack. Wow, il y a un texte, je vais vous le lire. Bougez pas. Alors, comment c'était foutu? Comment j'étais? Comme ça? Ah oui, mais il était comme ça. Ouais, mais je peux plus vous lire le texte si je le replie. Donc, pour tout vous dire, donc des jeux vidéo pack, j'en ai évidemment. Alors, et j'adorerais le foutre sous cadre en fait. Salut Ayor Saeba. Oh là là, merci, ça fait plaisir, merci de passer. Oh, classe. Alors, non, il faut laisser surtout que c'est perso. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. As-tu le jeu 42, la quête des anneaux? Non, mais par contre, j'ai failli l'avoir et je suis un peu dégoûté. Laisse-le comme ça. Ouais, bah voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Vidéo pack de bière, joli coco, magnifique. Laisse tout en l'état, c'est senti... Ouais, voilà, c'est sentimental value. Je suis d'accord, je vais laisser. Parce que tu vois, il y a des... Tu vois, ils ont coché. Vous voyez, ils ont coché. Et pourquoi deux croix? Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Mais ce que je peux... En tout cas, ce qui est assez dingue... Ce qui est assez dingue, c'est de se dire que ça, c'est vraiment sorti de l'usine Philips. Là où bossait mon grand-père. Il y avait une usine Philips à Lunéville, dans le 54. Avant que tout ferme, hein. Lunéville, maintenant, c'est complètement ces zones mortes, quoi, au niveau des usines. Il y avait Trailer aussi, les remorques pour camions aussi qui étaient là-bas, mais il n'y a plus maintenant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai des jeux aussi. Par exemple, tu vois, le jeu de singe, je l'ai, mais c'est pas coché. Alors peut-être qu'ils ont acheté des jeux après, je sais pas. Ton son est bien fort ce soir. Ah, peut-être. J'ai rien touché, pourtant, mon cher... Parce que peut-être que je hurle, parce que j'ai mon bonnet me couvre les oreilles. Faut que je fabrique un cadre sur mesure. J'ai du mal à parler sans. Cool, cette découverte du Vitapack, ça va être intéressant à voir. Alors, je vais vous montrer la pile de jeux que j'ai. Faudrait que j'essaye d'analyser les croix quand même. Hein. Alors, je vais quand même vous lire le texte hein, qui est derrière. C'est où? Alors, Vidéopack pour l'action vidéo. J'ai l'impression de lire un journal. Attention. Attention, là. Alors, je sais, je le plie dans l'autre sens, ça se fait pas. Alors, Vidéopack représente un nouveau monde de divertissement vidéo, une source. Tu vois, il parle pas de jeux vidéo non plus, là. J'en parlais au début de stream. Il parle de divertissement vidéo. Alors, je chipote sur les mots, hein, mais... Je sais pas, hein. Peut-être les jeux préférés pour les croix, une sorte de note. Oh, ça m'étonnerait que mon grand-père se faisait chier à noter. Il jouait pas, mon grand-père. Il l'a acheté pour nous, enfin, pour nous. Ouais, peut-être, hein. Sont parfaits, merci Mike. Merci Mike, des bisous. Une source donc de distraction illimitée pour toute la famille. Faut pas déconner non plus. Des jeux d'action à vous couper le souffle. Ouais. Des aventures de science-fiction. Des jeux aux défis permanents pour vous mettre à l'épreuve. Des jeux calmes pour tester votre imagination. Alors c'est un peu truc. Votre pouvoir de concentration, votre mémoire et votre intelligence. Mais le vidéopack n'a pas été créé uniquement pour vous distraire. Il peut également vous instruire. Programme éducatif. Pour les jeunes. Les jeunes, pas les enfants, les jeunes. Les jeunes, c'est déjà à l'époque. Leur enseignant les bases de l'arithmétique, par exemple. Ou une cartouche spéciale pour aider à comprendre les bases du solfège et apprendre à lire la musique. Elle offre de plus la possibilité de jouer des mélodies simples sur votre console vidéopack. Magnifique. Et puis, il y a une cartouche ordinateur qui permet de pénétrer dans le monde de la programmation. Je crois que c'est de la merde, hein, la cartouche programmation. Et il me semble que je l'ai. On pourra tester si vous voulez. Hein. Il me semble que c'est de la daube. Hein. As-tu le jeu 38 Glouton et Vorace et 4 Batailles Navales? Ah, il faut que je regarde. Ce sont mes préférés. Il faut que je regarde. Je connais plus les chiffres. J'en ai une chier. Hein. Je vais vous montrer la pile de jeux que j'ai après. Les jeux de stratégie vidéopack sont totalement nouveaux et uniques dans leur genre. Ce sont des jeux fascinants où l'électronique la plus moderne est associée à des jeux de société à l'ancienne mode. À noter également
la nouvelle cartouche Échec. Je l'ai en plus. Ah merde, elle est dans mon bazar. Échec, alors le jeu d'échecs, alors il y a évidemment un jeu d'échecs là-dessus. T'as un module Comas qui va avec, parce que je pense que le vidéopack il doit me ramer du cul. Et t'as un module exprès, par contre, il faut pas être pressé. C'est franchement un truc de dingue. Donc le module échec, je l'ai, qui vaut la peine d'être connu. Ouais, non seulement par ceux qui souhaitent apprendre le jeu, mais aussi par les joueurs expérimentés qui ne seront pas déçus, car ils trouveront dans le jeu d'échecs vidéopack un formidable adversaire. Et effectivement, le machin, il calcule les coups. Donc c'est un truc de dingue. Putain, faut que j'aille le chercher. J'avais pas fait gaffe ou quoi, au Doomguy au fond. Ah oui, lui, là, oui. Ah oui, bah Bethesda oblige. Ah ça, je l'ai acheté, ouais, Bethesda. C'est un petit kiff que je me suis fait. Je termine. Le jeu vidéo pack offre maintenant au moins 45 cartouches avec 60 jeux différents, y compris la nouvelle cartouche Échec. Et il en est prévu beaucoup d'autres. Vidéopack représente un système complet de distraction, d'amusement et d'éducation. Vous pouvez soit utiliser le jeu qui se branche sur votre TV couleur ou noir et blanc, soit la nouvelle console avec tube vidéo 9 pouces noir et blanc intégré qui peut être utilisée indépendamment de votre TV. Ils avaient déjà compris à l'époque, avant Amstrad, hein, que avoir un moniteur intégré, bah c'était pas con. Par contre, au niveau du prix, aucune idée. Non, j'ai retrouvé la facture de l'Amstrad, mais j'ai pas retrouvé la facture de ce truc-là. Mais peut-être un pack... Bah non, bah en fait, facture, je suis con, c'est sorti de l'usine. Alors, il l'a peut-être sorti au cul du camion, j'en sais rien, en fait. Est-ce que c'était... il l'a ramené comme ça ? Enfin, ça serait pas étonnant de pas avoir de facture, en tout cas, pour moi. Donc voilà, le magnifique poster vidéo pack avec tous les jeux. 28 personnes pour du vidéo pack. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, pour du vidéo pack. Et voilà, le module échec est ici. Et ça, je l'ai. Et c'est dans une boîte énorme. Comas, oui. C'est les jeunes qui disent ça. Comas. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Ganounouch est là. Salut, Ganounouch. Salut à toi. Prends place. Allez-y. Prenez place. Allez-y. C'est bien. On est bien. 1500 francs le N60. En 80. D'après souvenir de ma mère. Ok. Il y a deux versions du vidéopack avec ou sans écran. Effectivement, il y a celui-là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que mes parents, j'ai retrouvé ça aussi, mes parents avaient la version classique, quoi. Et Inak m'a gentiment fait un cadeau et m'a offert une version plus, parce qu'il y a des jeux améliorés, en fait. Ouh, ça rajoute des petits trucs sympas, voilà. Que du coup, qui sont compatibles, alors je dis pas de conneries, hein, qui sont compatibles avec les anciens, mais du coup, ça affiche moins de trucs. Par contre, si tu le mets sur la version plus, certains jeux ont des petits trucs en plus. Schneider avait là, quoi, le... Alors, c'est pas noir, c'est bleu marine, il me semble, Schneider, Eric. Quoi, tu as mis ton 800e tweet pour annoncer ta venue ce soir? Sérieux? Ouah, c'est cool! 800e... Comme quoi, c'est un signe. Il n'y a pas à chier. Machine de cœur, je le rappelle. Hein, ça, c'est un truc qui, du coup, est vraiment famille. Hein. Donc, merci encore, mon cher Inak, pour ce magnifique cadeau. Je tenais aussi à remercier Serge, qui, un jour, m'avait dit « Ah, il y a des jeux par chez moi. Si tu veux, je te les achète. » À l'époque, les jeux valaient pas cher. Maintenant, oh, c'est pas si cher que ça, mais bon. Alors, je vais vous montrer une partie. Donc, voilà. Donc ça, c'est une partie des jeux. Et j'ai encore à peu près la même chose par terre, là. Je vais pas vous soulever, mais il y en a peut-être un peu plus. Alors, si je compte les jeux que j'ai, je vais vous le dire, hein, ça va être vite vu. 1, 2, 3, 4, 5... 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ouais, j'ai à peu près une trentaine de jeux. Voilà. Alors, ça se présente comme ça, c'est dans des grosses boîtes, vous voyez. Et c'était super joli, quoi. Il y avait des super jaquettes et la présentation, évidemment. Et là, vous voyez, il y a trois jeux, par exemple, sur cette cartouche. Obsolete Tears dit Bleu Nuit. Voilà, c'était Bleu Nuit. C'est super beau, d'ailleurs. Bleu marine, comme quoi là, non. Bleu marine, ça m'étonne pas pour des moches. Alors, Quij en fond sonore. Alors, en fond sonore, c'est la musique de la Remanta sur le disque démo de la PlayStation 1. Quand t'achetais la PlayStation à l'époque, quand c'est sorti, je sais plus quelle année exactement, 97, 80, je sais plus. Enfin, quand je l'ai eu, 96, je sais plus. Je l'avais acheté, moi, 2099 francs. Enfin, ma mère l'avait acheté 2099 francs. 1995 ? Waouh!
Ah, bah, c'est possible. 1995, bon, ok. Bah non, mais c'est ça. Je l'avais acheté donc 2099 francs. J'avais le CD de démo. Et donc, dans le CD de démo, t'avais quelques jeux. T'avais Loaded, t'avais Battle Arena Toshiden aussi en démo. T'avais Destruction Derby le 1, mais t'avais un circuit. Et t'avais aussi. Tu pouvais guider soit un dinosaure, soit la Remanta. Et j'adorais diriger la Remanta. Tu faisais rien d'autre que diriger la Remanta et t'avais cette musique en fond. Donc, c'est, voilà, c'est la musique de la Remanta sur le CD de démo de la PlayStation 1. Voilà. Sorti en 82. Sorti en 82 ? Ah bon ? Ah, je pensais que c'était fin des années 70, ça. Je me rappelle de la Remanta. Donc voilà, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Vous aviez la notice qui se trouvait ici. Alors, la notice s'usait quand même assez facilement parce que, bah, à chaque fois, tu la retirais. Bah, du coup, tu l'abîmais. Voilà, c'était un peu chiant, voilà. Donc, c'est des cartouches qui sont un peu comme... Tu vois, t'as une poignée, comme un pack de bière, en fait, tu vois. Et ça te donne les instructions. Et t'as les, donc les jaquettes qui faisaient donc guise de notice. Et quand les gens étaient un peu motivés, eh ben, t'avais plusieurs langues, voilà. Alors, des fois, ils sont quand même dans un état assez sympa. Alors, 1980. Alors, je sais pas si vous verrez, ça fait la pointe. Voilà, 1980, vous voyez ? Bah, si les jeux sont de 1980, Paco, il a fait de la jaquette. Non, je suis à voile et à vapeur aussi, ça marche aussi. Non, blague de merde, homophobe. Oh, on va arrêter, il fait dans la jaquette. Quoi, la Remizuka ? Alors, attention, c'est une référence que je connais pas. Le premier vidéopack a été vendu en 78, donc... Voilà, c'est pour ça que fin des années 70, c'est ça que ça me dit. Alors, il y a des jeux que j'aime bien. Il y a des jeux que, justement, Serge m'a fait acheter il y a quoi ? Il y a une dizaine, quinzaine d'années, que je connais moins bien, donc j'ai moins d'affect. Vous allez voir tout de suite, de toute façon, quand je vais vous montrer les jeux où j'ai un affect, je vais y jouer pendant 15 ans et vous allez me dire « Putain, tu nous gonfles avec tes gros pixels ». Alors, je précise que là, le stream, je capture directement l'Amstrad, parce que là, il y a une sortie Péritel. Donc, j'ai le câble Péritel. C'est un câble, hein, c'est une prise d'in avec un câble Péritel. Je vous montre les joysticks. Hein, voilà, donc c'est des manches à balai avec un bouton Fire ici. Voilà. Donc, c'est un manche à balai. J'ai été obligé de racheter des manettes, par contre. Parce que, bah, vous imaginez l'état dans lequel étaient les autres. Elles étaient, mais, défoncées, quoi. J'ai plus... Il y a le plastique, là, c'était barré. J'avais plus ça. Le machin marchait plus. Enfin, c'était une catastrophe. J'ai réussi à retrouver deux manettes comme ça pour même pas 10 balles, je sais, sur le bon coin. C'était une bonne affaire. Alors, sur cette machine-là, ça se branche en DIN, pareil, en dessous. Et quoi vous dire ? Bah, y a une alimentation, hein, plaque, sans la terre, d'ailleurs. Par contre, il y a certaines consoles vidéopack, les consoles de salon où il n'y a pas l'écran, des fois, bah, ça fait comme la Famicom NES, les câbles sont intégrés à la machine. Économie oblige, quoi. Le bouton action, voilà, c'est marqué action, voilà, comme les magasins, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est le bouton action, voilà. Ah, c'est bien quand même, la mise au point automatique. Salut Goldom50, bienvenue à toi, prends place, ce soir c'est du vidéopack. On note que les boîtes de jeux semblent en super état. Ouais, bah j'en ai pris soin pendant très 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 longtemps, j'ai beaucoup 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 de boîtes. C'est bien d'avoir des affects. Oui, c'est ça. 1980 en France. Ah bah, c'est... Alors, du coup, encore plus. Je suis né en 80, donc bon. La Famicom, quoi, il y en a que pour lui ce soir. Bah, c'est ça. Est-ce que je vais vous chercher mon module échec ? Ou est-ce que ça vaut pas le coup et on lance quand même le stream ? Le C52 a les manettes soudées. Je crois que le C52 a les manettes avec connexion. C'est ça. Le 74 plus que tu m'as filé. J'ai pu enlever les manettes. Pas de problème. Paco stream du vidéopack et nous fait chier quand on stream pas du CPC. Échec. Bof, franchement, d'accord, non mais... Après, j'aurais pu vous montrer, en fait, c'est assez atypique, hein. La boîte de jeu est énorme, et le module, en fait, et le module est intégré à la cartouche. Bref, on va passer en jeu Back to the Past. Alors, vous voyez, on a... Alors, vous allez me dire si le son du vidéopack est trop fort. Alors, je vous dis ça pourquoi. Parce que je l'entends pas, curieusement, dans mon casque. Vous l'entendez. Si c'est trop fort, vous me dites « je baisse ». Ça, c'est quand j'appuie sur le bouton rouge. Ça va, il me dit, Eric. Ok. Non, non, mais je veux voir le jeu d'échecs. Le vidéopack est juste sublime. C'est... Voilà, alors, du coup, moi, j'ai l'écran, évidemment, en noir et blanc. J'ai longtemps joué en noir et blanc. C'est bon. Ok, merci, Yanounouch. Merci, Eric, pour les retours sur le son magnifique. Mais quand vous le branchiez sur une télé... Vous aviez, évidemment, bah, des couleurs, et c'était assez chatoyant, dirons-nous. C'est pas les couleurs du C64 de merde.
Ok, c'est bon. Merci, The Alchemist. Alors, en soirée de son, j'aurais mis 52, on est resté dessus 6 heures. Voilà, le son est bon. Ok. Est-ce que la musique vous fait pas trop chier? Est-ce que je vous abandonne 2 minutes pour aller chercher mon module? Échec, bougez pas, vous êtes 28. 28 devant un vidéopack. Je trouve quand même que... Merci beaucoup. Si vous pouvez en plus me donner de l'argent, je pourrais acheter plus de vidéopacks et vous faire chier avec mes vrais trucs de merde. Bougez pas. Vous êtes 28? 27. Ah, merde. Je veux qu'au retour, vous soyez une trentaine avec mon super jeu d'échecs. Je vous le mettrai pas, promis. Je reviens. C'est ça de préparer les streams avec le cul. Tu streams, en fait, tu prépares les streams, tu prépares rien en fait. 28! Ah, à deux près. Bon, mais de la pub. Ouais, je m'en fous. Le module échec, c'est un échec. Solorenzo Zero va voir ton stream comme un alchimie. Quoi? Va tenir ton stream? Ah oui, il va jouer avec la petite Léa. Alors, un vrai Auvergnat. 30! On y est! Le module échec. Alors, attendez, on va repasser en scène. Le module échec du vidéopack. Wow, alors, bon, la boîte a un peu morflé, j'avoue. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'au-dessus, en fait, c'était prédécoupé, ça, le bonhomme qui tient le truc. Donc, c'était peut-être en fait, une présentation. Oh, merci pour les bits, mon cher vieille touche. Oh là là, magnifique. Voilà, donc ça, c'était vraiment... Le module, alors vous allez voir, il y a une extension de mémoire là-dedans. Donc ça, je l'ai acheté après coup. Mais je l'ai acheté quoi? Il y a sur eBay, je l'ai acheté il y a peut-être une quinzaine d'années sur eBay. Pareil, pas très cher. Il y a la boîte, il y a le polystyrène. Regardez, hop. Alors je vous avouerai que je l'ai testé une fois le truc. Hein. Mais une fois. Hein. Alors regardez, alors ça c'est le polystyrène hein, évidemment. Vous savez à quel point le polystyrène coûte très cher, hein, surtout sur du vidéopack. Alors je répète, parce que maintenant qu'on est 31 à faire du... À streamer sur du vidéopack, et on est 31 sur ce stream, je rappelle, la petite anecdote sympa, tu les mérites. Ah, oh, c'est gentil, mon cher Inak, t'es un amour. Je rappelle que, évidemment, le vidéopack, que mon grand-père gardait tout, j'ai le carton et j'ai le polystyrène. Je rappelle la petite anecdote, sur eBay, avec des enchères, ça s'est vendu... à peu près 300 €, le carton et le polystyrène, sans la machine, 300 €. Non mais voilà, c'est tout, je suis déjà riche, donc je vous emmerde, voilà. Hein, moi ce que j'attends, c'est que dans le confinement, c'est que l'économie reparte, les gens qui meurent, bon, voilà. Évidemment, des bisous à MacDead. Alors regardez-moi ce module mémoire, regardez-moi comme c'est beau, et vous voyez, il y a le cordon ombilical. Voilà, regardez, hop là, magnifique. Pourquoi tu nous emmerdes? On t'a dit quelque chose. Pour un total de 595 francs. Alors c'est du 5 volts, c'est fabriqué en France, bien sûr, merci. Oh, il y a un petit autocollant qui s'est barré. Et c'est marqué. C'est marqué, j'en sais rien. Ouais, bah, je vais le laisser parce que ça vaut peut-être de l'argent. Le petit autocollant, peut-être qu'un jour il dira si je le vends. Je peux te poser une question, si tu le vends. Est-ce que t'as le petit autocollant? Ouais, je l'ai. Voilà, Comenor. Ah, merci Coco. Ah, des bisous, vous êtes des amours. Si autocollant est retiré, la garantie annulée. Je crois. Merde! La garantie, merde! Voilà, donc ça, on n'y jouera pas parce que c'est une purge. Mais, en tout cas, j'ai le module mémoire avec la cartouche, avec le polystyrène. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as pas la notice. C'est vrai, elle est où la notice? Qu'est-ce que j'ai foutu de la notice? Je l'avais en plus, c'est ça le pire. Ah, bah, je sais plus.
Ah, je sais plus, bah c'est pas grave, écoutez, j'en remets le polystyrène. Non, bah j'ai dû la foutre ailleurs. Moi, je suis un mec comme ça, moi. Je les fous ailleurs, les notices. Hop, voilà. Extension échec pour ordinateur vidéo pack. Génial. On n'y jouera pas, je vous le promets. Alors, sous le poly, ouais, mais j'ai pas envie de tout enlever. Salut, Edicito. Ah, le magnifique. Tout le monde est là. Oh, les bons. Alors, je vous casse pas trop les oreilles. Moi, je l'ai un petit peu parce que je l'ai mis un petit peu en. Il y a une enceinte, évidemment, intégrée. Attends. Qu'est-ce que tu crois? Alors, on va jouer à des jeux. Je vais vous montrer des jeux. Par exemple, des jeux que j'aime pas trop. Alors, le ski. Alors, vous voyez, là, il y a des fois des boîtes qui ont morflé. Bah, forcément. Voilà, le ski. Magnifique jeu de ski. Vous voyez, alors, le mec a l'air super à l'aise et tout. On est très bien dedans. Ah, mais j'avais déjà mis un jeu. Oh, non, mais ça, c'est mon jeu. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est God Tier, ça. Moi, je le garde. Alors, moi, les jeux, je les en fiche comme ça. Voilà. Tac. Je vérifie si ça marche, ok, très bien. Pas d'Amstrad ce soir, non, on fait du vidéo pack. Alors attention, alors il faut que je fasse un. C'est le slalom, c'est le magnifique slalom, vous allez voir. Alors, au début, il vous propose plusieurs jeux. Vous voyez, slalom, slalom géant. Slalom géant, on se fait chier, hein. Descente, et quand t'es d'accord, hop, tu dis, je valide. Attention, c'est parti. Ah, ça se joue à deux, évidemment. Alors, moi, je suis à droite. Et c'est parti. Alors, vous voyez, hop, on descend, on passe dans les portes. Et quand on appuie sur le bouton action, on va plus vite. Oh là, regardez, ça y est, je fais le con. Hop, regardez comme je suis à l'aise. Ça y est, j'ai loupé une porte, j'ai fait une faute. Oh, c'est une catastrophe. Je vais trop vite. Oh, mais c'est pas possible. C'est quoi ce jeu? Ah, c'est quand même un jeu. Regardez, hop, là, on glisse et tout. Double scrolling à l'écran. Évidemment, vous remarquerez la prouesse technique de ce jeu. Ah, ah. Je loupe des portes, 4 portes, 4 portes, je suis rose, je suis force rose, j'avais pas vu que j'étais force rose, moi je vois que du gris, donc je vous dis, moi je suis à droite, 7 fautes, ah c'est catastrophe, regardez, comment ils s'appellent les skieurs, ah ils s'appellent comment le skieur, Jean-Claude Killy, c'est Jean-Claude Killy, regardez, Jean-Claude Killy, hop, regardez, je fais le chasse-neige, j'y connais rien en ski, hein, je fais pas de ski moi, le chasse-neige, regardez, oh, ah oui. Regardez. Ah. Le backflip. Je sais pas si on en fait dans le ski. Ah. Le problème passe une porte. Ah oui, fin. Et je me suis planté. Et voilà, donc quand on s'est planté, le jeu en fait ne s'arrête jamais. Oh, c'est mignon, rose. Je vois ouais, la capture, c'est rose, c'est magnifique. Est-ce que c'est super fluide? Ah ouais, c'est propre, hein. Donc je capture évidemment le vrai truc, hein. Et merci encore à Rafo, je lui fais des bisous. C'est lui qui m'a conseillé la carte de capture Elgato 60 HD Pro. C'est une merveille. Schumacher, Alberto Tomba, bien sûr. Luc Alphan, évidemment, pour les plus récents. Et encore, c'est encore un vieux, je suis sûr. Oui, moi, je suis en noir et blanc, là, ouais. Là, mon écran est noir et blanc, ici. Voilà. Et vous, vous l'avez en couleur. Alors, l'autre, évidemment, il faut prendre l'autre manette. Et regardez. Allez, Lima. Non, bon, en fait, voilà. Donc, c'est chiant. Voilà. Donc, ça, c'était le jeu de ski. Alors, généralement, le temps de jeu de ce genre de jeu, tu jouais 5 minutes, quoi. Tu faisais une partie, t'étais content, voilà. Les charnières étaient fragiles. Bah moi, tu vois, c'est certaines hauts des boîtes, en fait, qui ont morflé, tu vois, là, ça a cassé. Mais j'ai vu qu'il y a un mec qui vendait des boîtes vides, faudrait que je lui rachète. Alors voilà, ça, c'était le jeu de ski, vous êtes contents? Ouais. Alors. Ah, non, mais ça, c'est un jeu génial, ça. Faut que je trie, en fait, les jeux géniaux. Ah non, c'est mathématiques que j'ai, c'est pas programmation. Mathématiques. Oh, il y a un jeu où on se fait chier, c'est le jeu de rugby. Le jeu de rugby, on se fait chier, je vais vous montrer. Ah, c'est pas du rugby, c'est du jeu, c'est pas, toi, c'est pas l'ASM, quoi. ASM, c'est football américain. Hop, attention, football américain. Vous êtes prêts? Ça y est, ça siffle, on y est. 60 HD pour un vieux machin. Attention, alors, vous voyez, au début, alors ça se joue à deux, hein, je suis tout seul, hein. Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Bah oui, attends, regarde, attention. Alors, au début, tu choisis ta tactique de jeu. Alors, des fois, je comprends pas. C'est qu'il faut. Ah oui, mais c'est parce que ça se joue à deux. Et la passe, il fait la passe. Oh, mais c'est lent. Non. Alors, voilà. Des fois, 1 et 2, ça veut dire vitesse du jeu. Donc, moi, je vais prendre vitesse 2. Parce que, bah voilà, quoi. Tu connais le. Oui, je connais le jeu. Bah, il a du vidéopack, le magasin de rue Saint-Esprit. C'est à Clermont, ça. Alors, attention, c'est parti. Ah, bah, du coup, voilà, c'est pas la même manette. C'est lui. Allez, c'est parti! Bah alors. Et là, oui, c'est magnifique! Regardez! Il s'en va! Et...
Et je me suis fait plaquer. Je me suis fait plaquer. C'est pas grave. Regardez. Deuxième essai. Et il s'en va, c'est magnifique. Et en fait, faut faire la passe à l'autre là, qui a la tête carrée. Vous voyez? Faut pas faire la passe aux autres. Mais c'est génial en fait comme jeu. Attention! Et c'est parti! Ah, oh, il a loupé la balle! C'est dégueulasse! Attention, quatrième essai! Ah bah voilà, mais je me suis fait plaquer, mais j'avance quand même! Vous voyez, vous comprenez un peu le principe? Pour les rugbyman, ceux qui connaissent. Alors le blanc! Oui, le blanc, il y va! Voilà, c'est histoire d'avancer comme ça. Alors on se fait chier, mais c'est les premiers jeux, regardez! Attention! Et il y va! Ah mince! Alors faudrait que j'essaye d'y aller tout seul, parce que je peux peut-être y arriver. Oui! Oui! Ah mince! J'aurais pu lui passer! C'est dommage! On aurait pu marquer un essai! Quatrième essai! Oui, il y va! Il y va tout seul! Oui, tout seul! T'es tout seul! T'es tout seul! Oui! J'ai marqué un essai! 7 points! Magnifique! Ah, y a pas de transformation, on en a rien à foutre, on est au football américain! C'est magnifique! Attention! Ah, c'est l'autre manette! Oui! Ah, faut pas rentrer dans tes bonhommes, hein, sinon c'est la loose! Ah mince! Qu'est-ce que c'est palpitant? Ah, c'est toujours, c'est saisissant, hein! Touchdown! Touchdown! Oui, c'est ça! Magnifique, je savais pas ce qu'il fallait dire! Il y va! Il est tout seul! Comment il s'appelle, les rugbyman? Donnez-moi des noms de rugbyman qui sont connus! Je vais y arriver! Je vais y arriver! Ah, juste à la limite! Faut que je me calme, hein! Touchdown! Oui! Magnifique! 7 à 7! Voilà! Vous êtes content, vous avez vu le jeu de Touchdown, c'est bien, magnifique, voilà. Magnifique jeu! Vous avez pas vu la jaquette, regardez. Elle est belle la jaquette quand même, hein. Chat Ali, d'accord, Chabat. Alain Chabat? Je sais quoi, je me souviens qu'il était chaud à deux. Mais il est génial en fait. Tu connais le magasin? Ah, je sais pas, à voir. Ouais, peut-être, ouais. Foot américain, pas confondre avec le soccer. Non, évidemment. Chabal, évidemment! Chabal! Oui, Chabal. Picamol, ouais, bah je vois les vrais savent en fait. Les vrais, ils savent. Super représentation du gameplay, génial. Bah merci, mais c'est génial. Vous, vous l'avez en couleur, moi je l'ai en noir et blanc. Puis je suis tellement à fond que je suis dans... Voilà, c'est cool. En fait, je dis des conneries, je l'aimais bien quand même ce jeu. Tu vois, il était cool, mais faut jouer à deux. Allez, plus que 30 jeux. Non, il y a des jeux, je vais passer vite. Hein. Puis il y a des jeux que j'ai en double. J'en ai pas beaucoup en double, mais j'en ai en double. Ah si, je l'ai. Programmation, comme solo. Comme solo, assembleur. Il y a de l'assembleur. Il va falloir m'aider, les enfants. Ou alors, on se fait un stream exprès. Programmation. Je savais pas que je l'avais. Regardez, je l'ai. Waouh. Regardez, il est génial. C'est de l'assembleur. Bah, j'en sais rien. Fais voir la jaquette. Putain, c'est génial. Je l'ai. Et bah en fait, il va falloir que je fasse une liste, hein. Ouah, cool. Mais si on peut faire des trucs sympas. Bon, je vais pas le faire parce que là, je vais m'emmerder. Je vais vous montrer des jeux que je connais. Tout de suite. Ça parle de moi. J'avais utilisé. Non, non, mais c'est génial. Ah, je vais vous montrer un autre jeu de sport. Parce que dans les jeux de sport, il y a beaucoup de jeux de sport. Le volley. Regardez le volley. On est à fond, on y croit. Alors, je connais pas des noms de volleyeurs, hein. C'est un sport que je regarde pas. Je regarde pas beaucoup de sport. Ah, là ça merde. Attention. Alors, c'est parti. Attention. Alors, il y a des jeux. Quand tu voulais que l'ordinateur prenne le contrôle, il fallait attendre un petit temps. Avant de... Tu vois, avant... Enfin, faut pas toucher à la manette de l'autre. Et du coup, l'ordinateur prend le contrôle. C'est assez rigolo, vous allez voir. Alors là, vous voyez, c'est les... Alors, les roses contre les bleus, évidemment. Les filles contre les garçons. Y a pas de raison. Allez, c'est parti. Ah non, mais non, faut que je bouge. Oh mince, il y a du glitch. J'ai fait glitcher le jeu. Attention, allez, moi je bouge. Alors je vais garder la balle. Et l'autre il va bouger tout seul à un moment donné. Alors il devient quoi? Oh, c'est les All Black. Attention les All Black. Paf, il y a des bouges. Ah oui, vous pouvez se matcher en plus en appuyant sur le bouton action. Non. Attention la balle, elle revient. La balle revient. La balle revient. La balle revient. Et on se match. Et mes bonhommes ils sont contents. Ça c'est du jeu, c'est du vrai jeu ça. C'est pas Animal Crossing hein. Attention les All Blacks. Oh, ils se matchent en plus hein. Alors je vous préviens l'ordinateur il est... Non. N'importe quoi, je suis en train de m'enflammer. Merde, j'ai perdu la balle.
Non, nul, nul, c'est nul. Attention, paf. Et paf. Dans la gueule, vous voyez, bah, j'y joue toute ma vie, donc je connais le jeu, quoi. C'est magnifique. C'est un magnifique jeu de volleyball. Vous avez compris comment c'était. Alors, comme ça, je peux vous regarder. Il y a combien de touches là? Il n'y a pas 3 touches. Non. Fais-le, quoi, de l'ASM. Attention, c'est parti. L'ASM. Mais non, c'est du volley. C'est... Ah oui, le volley, il y a aussi l'ASM. Alors, il y a une technique qu'on faisait aussi avec mes cousins, parce que j'ai joué beaucoup avec mes cousins. C'est que, toi, là, je balance la balle, toi, tranquille, tu vois. Et quand t'appuies sur le bouton feu, tu vois, paf, 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 ça fait spike. Donc, on pouvait, des fois, faire... Tu jouais que comme ça, en fait. Et c'était un peu l'handicap. Le son est pas trop fort, non, je... Ah, merde. Voilà, le service change. Tellement d'enthousiasme que t'as oublié... Ah, j'ai pas dit bonjour aux filles. Il sert à quoi, le clavier? Il sert à rien, en fait. Et oh... Paf! Voilà, le service change, vous avez compris le principe, c'est un jeu génial. Les bisous aux filles, évidemment. Donc c'était le jeu de volleyball. Magnifique jeu de volleyball, vous avez vu la jaquette. Et paf, le Spike! Super Spike V-Ball, magnifique jeu de, sur NES, Super Spike V-Ball. Un jeu de beach volley, super. Allez-y, hein. Franco, c'est pour moi. Hein. Voilà. Alors, il y a des jeux que je connais pas, donc je vais pas les prendre tout de suite. Je vais pas y jouer tout de suite. Putain, c'est génial. Ah oui, génial le jeu là. Ça, c'est un jeu pour mes enfants, ça. C'est un jeu pour les enfants, si vous avez des enfants. Ça s'appelle Math Amusante. Ouais, ça, c'est un jeu, tu vois. Ça, c'est God Tier comme jeu. Math Amusante. Voilà. Salut, Tronic GPA. J'adore, j'adore. Tu vois, franchement, bon, je m'emballe, mais j'adore ça. Quoi montre la SM? La SM, la SM, la SM. Oui, je vous le ferai, je vous le ferai. Jeanne et Serge, oui. Ah, je me donne pour mon public, j'adore ça. Les maths amusantes, vous voulez les voir, c'est super amusant. Hop. Ah, il y a des glitches parce que j'enfonce la cartouche comme un porc. J'ai pas de bouton qui l'arrête, en fait. Attention, c'est parti. Voilà, alors moi, je suis le bonhomme. Là, alors, ça se joue évidemment à deux. Donc, deux ronds, c'est égal à deux ronds. Voilà, j'ai gagné. Ouais. Et on pouvait jouer à deux. Donc ça, c'est le jeu typique... Ou quand t'as deux enfants, bah t'en as un qui est lésé et puis c'est la crise assurée. Voilà, c'est franchement le jeu pour le confinement. Le vidéopack, c'est la console du confinement. Alors, 4 triangles, ça fait quoi? 4, bah 4 triangles. Ouais. Ah non, je me suis trompé. Bah 4 triangles, c'est 4 triangles, qu'est-ce qui m'emmerde? 4 triangles, c'est 4 triangles. Bah oui, bah qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai peut-être pas pris le bon. C'est parfait pour les enfants, c'est très bien. Qu'est-ce que tu dis? La guerre de l'espace? Ah oui, je l'ai, je crois. Alors, les sapins... Alors, tu vois, si tu prends le mauvais, tu vois, deux sapins, bah, il fait la gueule, tu vois. C'est mignon, en fait, il fait la gueule. Ah, mais c'est beau, en fait, en couleur, je me souvenais plus. Quatre sapins, bah, ça fait... trois sapins, plutôt. Alors, non, je veux pas... Non, je veux pas... Hop, et bah, voilà, trois sapins. Magnifique pour maternelle, moyenne section, grande section, tu vois, à peu près. Quatre bâtons, bah, c'est quatre bâtons, tu vois, magnifique. Voilà, vous avez compris, ce sont des maths amusantes. Voilà, les maths amusantes. C'est très bien, c'est génial ça, les maths amusantes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc celui-là, non, pas tout de suite. Alors, ça c'est un jeu camouflé. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, je pouvais y passer des heures. C'est le jackpot. Le jackpot, c'est génial. Tu mets des sous, et c'est le jackpot. Alors vous allez voir. Le jeu n'a pas de fin, évidemment. Alors je vais vous en montrer un petit peu. Là, je vous montre les jeux que j'aime bien, mais... Je vous les montre vite fait, quoi. Pour un gars de Clermont, refuser la SM, c'est un crime, c'est vrai. Alors, attention. Le jackpot, c'est parti, faites vos jeux. Donc, au début, tu mets ta mise. Alors, déjà, tu mets le nombre de joueurs. Donc, je suis un seul, là. Je suis tout seul à jouer. On est confinement, oblige. Alors, la première partie, c'est évidemment pour... c'est un tour de chauffe. Oh non, pas ça. Il est génial. C'est génial. Donc, voilà, au début, c'est le tour de chauffe. Si c'est trop fort, vous me dites, hein, le son du vidéopack. Je peux le changer, hein. Ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous, le son du vidéopack? Les pièces, elles tombent où? Tu vas voir, c'est génial. Je vais tout de suite gagner. Ça, c'est à tous les coups, on gagne. Tu vas voir. Alors, je vais vous expliquer le principe, c'est super. C'est le stream... C'est bon. C'est le stream le plus complet au monde sur le vidéopack. Je pense que vous n'en aurez jamais. Personne ne stream du vidéopack, de toute façon. Alors, le premier coup, c'est un coup pour rien. Bon. Ensuite... On y va, alors c'est pas la bonne manette, évidemment. On prend l'autre manette. Ok, donc au début, on choisit sa mise. Donc moi, je suis un fou, moi je mets 1 dollar, parce que moi j'ai dollar, moi je suis Donald Trump. Et puis de toute façon, tu peux faire crédit. Alors,
Vous voyez, il y a des petits traits sur le côté, puis il y a des traits obliques. En fait, tu mises sur la probabilité que tu aies une ligne ou des obliques. Mais vu que je suis un gueudin, moi, eh ben, je dis là, et donc chaque fois que tu vas sélectionner un truc, ça va te faire perdre un dollar, tu vois. Donc, tu vois, je dis là, là et là, voilà. Et vous avez remarqué, le bras du bandit manchot est à droite. Eh ben, on y va. Et c'est parti! Et on ralentit, voilà. Alors, faut de l'imagination hein, pour les trucs. Alors, là, on a des citrons et des oranges. Je connais le jeu par cœur, donc je connais. Voilà, donc là, j'aurai rien. Bon, c'est que dalle. C'est que dalle. Voilà, la cloche. Alors, l'espèce de gros truc en bas, c'est un melon, là, au milieu. C'est un melon, ça rapporte beaucoup, les melons. Alors, on connaît, quoi, les melons. Alors, attention. Donc, moi, je faisais ça tout le temps. C'est-à-dire que je m'endettais à vie, hein, comme, bah, comme dans tous les casinos. Hein. Quand vous êtes dans un casino, vous attendez pas à Las Vegas, hein, quand vous allez dans les casinos du coin. C'est souvent la misère sociale. Je sais pas s'il y a des gens qui font le casino, hein, mais moi, j'y suis allé une fois, ça m'a suffi. Alors là, c'est parti. Et hop, on y va. Et on freine des fois quand on voit des bons trucs. Oh, la cloche, c'est bien. Ah, alors on a une petite cerise. La petite cerise, ça va nous rapporter des sous. Donc vous allez voir où les pièces, elles tombent. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais faire que ça. Je n'ai jamais fait 3-7, hein. À Roya, ouais, par exemple. Oh, j'ai fait 3 cloches en biais. C'est le jackpot. Imaginez quand t'avais 100 pièces. Tu pouvais pas passer. Ouah, j'ai eu plein de sous. Gagné. Donc j'ai 11. Eh ben, je les rejoue. C'est le casino, on s'en branle, c'est pas notre argent. Le trait, c'est bien, le trait. Le trait. Ouais. Le trait. Arrête-toi, le trait. Eh merde, le trait. Ah, merde. Ah, j'aurais pas le trait. Ah. Alors, vous voyez, il y a une espèce de truc allongé, là, sur la barre de droite, au milieu. Je sais pas ce que c'est. On n'a jamais su ce que c'était. Donc, c'est quoi, 3 millions, pièce par pièce? Allez, c'est parti, t'imagines? Non. Alors, je crois que le plus, c'est... Alors, ce que j'adore, c'est que j'ai dit, ouais, au début, je vais pas jouer beaucoup. Alors, on adorait regarder la notice du jackpot, parce que t'avais... Regardez, elle a été rafistolée dans tous les sens. Hein. T'avais les gains. Alors, vous voyez pas les gains, quand même. Hein. 3-7, c'est 200 pièces. La misère. Alors, on l'a jamais fait, hein, 3-7. Hein. Si un jour je le fais en live, c'est que du bonheur. Hein. Le melon et les 3 melons et 3 tirets, ça fait 100 pièces. Et on est prêt, c'est parti. Bon, ouais, je fais le dernier coup là. Oh, le tiret, il est bien. Le tiret. Le 7. Merde. Ah, tant pis. C'est addictif, hein. Ah, c'est parti. J'adore ça, moi j'adore ce jeu. Le 7. Non, mais je l'aurai jamais, le 7. Le tiret. Le 7, putain, le 7. Oh, le tiret. Merde, il est passé. Croisons les doigts. Eh, merde. Je suis sûr que je vais y arriver. Allez, c'est parti. Oui. Non, le melon. Melon, je peux faire melon, tiret, c'est pas mal, ça. Le melon! Merde, l'orange! Ah, le con! Ah, le con! Me dites pas qu'il y a un melon. Non, ça va. Ah, ça va. Allez, dernière tentative, hein. Mais ça, c'est comme au casino. Ah, une petite dernière! Mais j'ai déjà plus de sous. Allez, c'est parti. Oh, le melon! Le melon, c'est bon! Le melon! Oui, le melon! Oh, putain! Non, il va trop vite! La cloche! Oui, bon, ça! Cloche! Ah, merde! Ah! Bon, c'est pas grave! J'ai les cerises! Les cerises! Les cerises! C'est les cerises en bas là! Magnifique! On est 30 sur un vidéopack! Génial le vidéopack! Bon, on va te laisser, JB. Mais non, c'est génial! C'est excellent pour l'époque! C'est énorme! Allez, on l'arrête! Voilà, c'est le jeu du jackpot! Qu'est-ce que c'est? Tétomu! Ah, merci Tétomu pour le host! Merci! Ça s'appelle Las Vegas, évidemment. Voilà, c'est Las Vegas. C'est très addictif, hein. Ça, c'est génial. Hein. T'as tout le temps envie d'y jouer, quoi. Ça, c'était généralement le jeu où que tu faisais à la fin, quoi, en fait. Ah, un jeu où on se fait chier. Alors, on continue. Un petit jeu de sport. Je vous le donne en mille. Le jeu où on se fait chier, à part Everybody's Golf, mais le fameux jeu de golf. Alors, vous voyez, regardez, magnifique aquarelle des années 60.
Vous avez vu comme c'est nickel. Ah, merci The Alchemist pour le hold. Le host, le hold. Je vais y arriver. Alors, le jeu. Vous allez voir, on se fait chier. D'ailleurs, je crois que ça vaut. Ça vaut un silence. Parce que c'est solennel. C'est le jeu. C'est le meilleur jeu au monde. Vous placez votre bonhomme. Vous voyez là, vous avez. Alors, c'est le club. Hein. C'est pas une canne blanche d'aveugle. Hein. C'est le club. Voilà. On vous mettez au niveau de la balle. La balle, c'est le carré blanc. Vous voyez? Le green. C'est le green. Le trou, il est là-haut. Vous voyez? Ça, c'est le. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle le parcours? C'est un green. Un green. C'est super green. Comment ça s'appelle? Un parcours? Un trou? Ah, je sais plus. C'est plaisir solitaire. Tu peux l'appeler Denis, ce sera plus simple. Mais non, c'est The Alchemist. Un turf, un fairway. Oh, je sais plus. No fairway, c'est dingue. Allez, attention, vous appuyez sur le bouton et il va concentrer son tir. Écoutez. Paf! Oh, dans le sapin, t'es nul. Alors, vous voyez, en fait, la canne se dirige et vous pouvez modifier. Vous voyez, là, je tire à peu près droit. Oh, bien joué! Everybody's golf, c'est de la merde. Regardez ça, c'est génial ça. Attention, regardez. Alors, on se met là. Allez, on va tirer fort là. On va aller dans le green. C'est le green! Attention! Paf! Oh! On y était! Vous allez voir, on fait des coups improbables dans ce jeu. C'est un géant ton bonhomme par rapport au sapin. Mais c'est des fougères. Regardez, on se met comme ça. Et là, il tire dans l'autre sens. Vous allez voir. Alors, je vais me mettre plus comme ça. Voilà. Et dès l'instant, hop, on change d'échelle, vous avez vu? Et hop, on se rapproche du trou. Évidemment, on va marquer, on va faire le trou. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, j'en suis à 4 coups, c'est génial. Alors, attention, on se met en l'air. Vous allez voir, là, le bonhomme tire en l'air. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Ouais, comme ça, là, on est bien. Ah non! Pas comme ça. Comment on fait? Comme ça? Oh, je sais plus. Ah si, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est que... Ah, comme ça, voilà. Attention. Ah, je le sens, ah, je le sens pas, là. Comme ça. Attention, il tire à l'envers. Et voilà. Et vous avez 10 parcours comme ça. C'est le jeu. C'est le meilleur jeu du monde. Vous voyez, les parcours changent. On va remettre la musique. Sinon, on se fait chier. C'est génial. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On voit la maîtrise. Non, mais c'est des heures et des heures de jeu. Golf. Alors oui, on peut pas se tromper. Golf, de toute façon, ça se dit dans toutes les langues. Bah, dans toutes les langues, ça se dit golf. Voilà, golf. Voilà, golf. Moi, j'aime bien. Il y a même un zoom. Bah, attends. Hein. Alors, ce qui était bien aussi dans les cartouches, comme ça, dans les boîtes, c'est qu'il y avait une petite étiquette aussi en carton qui était ici. Malheureusement... De temps en temps j'en ai, de temps en temps bah, je les ai perdus. Donc si t'as le carton, bah, alors ça vaut mais 10 000 euros sur eBay, tu vois. La magnifique plateforme, alors ça du coup... Alors vous voyez, ça c'est un jeu plus, parce qu'il y a eu des jeux vidéo pack plus. Et ça c'est Serge qui me l'avait acheté, 1,50€. Bon, ça vaut plus 1,50€ maintenant les jeux. Hein. Et ça c'est un jeu plus, c'est-à-dire que sur la console d'Inac, je vais pouvoir avoir plus de choses. Eh ben, on l'est peu de choses. Tu m'étonnes. Alors, ça, c'est Ina qui m'a demandé. C'est un jeu. Ça, il est vachement bien, ce jeu. C'est le petit jeu de vaisseau. Alors, vas-y, le petit jeu de vaisseau, il est bien. Ça s'appelle Los Satellites Nos Atacan. Donc, les satellites attaquent. C'est comme ça qu'il s'appelle le jeu. Les satellites attaquent. On n'avait pas peur à l'époque. Niveau marketing. Et si le nom du jeu, on mettait un truc conjugué? Ah ouais, les satellites attaquent. Ça ne veut rien dire, parce qu'un satellite qui attaque... Ah si, il y en a peut-être, hein, dire qu'il balance des gros rayons laser, comme dans les films. Alors, magnifique jaquette, hein, évidemment, regardez. C'est encore un autre jeu. Alors, c'est parti. Attention, satellite attaque. Ça, le jeu, il est génial. Alors, attendez. C'est parti. Ah merde, c'est l'autre manette. Ah oui, je suis un petit vaisseau. Et mon... Vous voyez, je bouge. Et paf! Et paf! Alors, faut que je fasse attention de ne pas me prendre les petits trucs.
Et quand je tourne, mon rayon tourne aussi. Et vous allez voir qu'à un moment donné, eh ben, y a un méchant qui arrive et qui vous tire dessus. Parce que là, pour le moment, eux, vous voyez, ils sont un peu inoffensifs, quoi. Regardez là, le méchant! Le méchant, il va me tirer dessus! Oh, je l'ai eu, ça me fait plus de points! Alors, vous voyez, quand ils se percutent entre eux, les satellites, ben après, ils sont vénères, comme ça. Vous voyez, ils sont vénères, ils tombent plus vite. Et mon bouclier permet aussi, vous voyez, en un coup, mon bouclier, hop, et après, il se régénère. Et tu peux faire des enchaînements comme ça. Pop, 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 pop. Alors, quand un ennemi tue un autre ennemi, évidemment, ça me rapporte pas de points. Paf! Faut attendre qu'il se régénère aussi, le truc, hein, vous voyez? Comment ça fait chez vous? Ah oui, ça, d'accord, ça fait des petits trucs gris. C'est mignon chez vous aussi, ça fait des couleurs. Oh là là, le combo! Vite, faut que je le tue, lui. Ah, il m'a tué! Et c'est là que le clavier sert. Là, tu marques J, B, Da, Ro. Voilà, c'est bon, c'est parti. Le mani... Ah, c'est le meilleur jeu du monde, ça aussi, hein. Faut savoir, regardez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vieille touche, merci pour le host. Magnifique. Paf. Alors, quand je tourne, vous voyez, mon fusil tourne aussi en même temps. Oh, avec la musique... Ah, là, le méchant! Là, le méchant! Le méchant, il est vénère, il balance des gros lasers. Ça, c'est un jeu génial, ça. Paf! Mon bouclier! Bouclier, paf! Paf! Oui! Magnifique! Non! Faut le tuer! Tuez-le! C'est méchant! Oui, je l'ai eu! Paf, ça fait des points! Voilà, c'est un jeu de score, GRS12. Si tu nous regardes, bah, ça peut faire un super jeu! Ah, je suis mort! Je suis mort! Salut, Ziz! Salut, les Ziz! On a un côté Vectrex. Voilà, donc c'est un magnifique jeu, ça. Il est bien comme jeu. Quel jeu? Il est super comme jeu. C'est la guerre des étoiles. Bah, c'est génial. Moi, je trouve ça génial comme jeu. Qu'est-ce que ça? Ça ressemble fortement à Astéroïde sur Atari. Ah bon? Qui va le programmer sur ses PC? Bah, c'est easy, ça. Easy, hein. Il y a encore des passionnés qui font des homebrew, peut-être sur Vidéopack. Oui, il me semble qu'il y a encore des gens qui font des homebrew, ouais. Il me semble, hein. Alors voilà, un magnifique jeu qui s'appelle Les Satellites Attaquent. Magnifique. 36 personnes. Magnifique pour du Vidéopack. C'est ça, les jeux de daron. Ah là là, magnifique, 36 personnes. Prenez place. Abonnez-vous. Alors, un petit jeu sympa. Un petit jeu cool. Alors, c'est comment on appelle ça? Le Puissance 4. Sauf que, bah, on savait pas trop quoi faire comme pochette. Donc, on a fait un chat. Parce que les chats, c'est vendeur, même dans les années 70. Et un chat qui a avec des boules. Voilà, c'est vendeur. C'est un petit chat robot. Alors vous allez voir. C'est magnifique. C'est un puissance 4. Alors vous allez voir. Hop. Tapez entrée. Voilà, tout à fait. Le puissance 4, évidemment. Puissance 4. J'ai pas dit bonjour aux filles. Hein. Toujours pas. Hein. C'est pas grave. Alors, on peut choisir. Alors tapez entrée. Oui, entrée. Voilà. C'est moi là. Pussycat et Bougdoll. Alors, et Bougdoll. Ça va pas, hein. Bulldog. Voilà, et hop. Et l'autre, eh ben, il bouge le chien. Ah, vous avez des belles couleurs, vous. Alors l'autre, voilà, il fait ça. Alors je vais vous montrer hein, quand on gagne. Le chien, il fait ça. Là, on fait ça. Je dis, oh, t'as où c'est que tu as mon coco? Là, tu dis, bah, je t'emmerde, je fais ça. Et puis, bah, l'autre, il dit, bah, moi, je fais ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'as pas vu. Voilà, et c'est ça. Et ce qui était rigolo, c'est que quand tu gagnais, tu pouvais appuyer sur le bouton, et tant que tu lâchais pas le bouton, tu pouvais faire chier l'autre comme ça. Ça, c'est des jeux du confinement, ça, vous pouvez pas comprendre, ça. Ça agace tous les autres. Alors, on disait, putain, mais c'est bon, lâche ton bouton. Ok, c'est bon, voilà. C'est les petites anecdotes, j'adore vous faire partager les petites anecdotes du Vidéopack. Magnifique jeu, hein. Voilà, c'est le Puissance 4, c'est magnifique. Après, je ferai un sondage. Quel jeu vous avez aimé? Et retenez bien tous les jeux, hein. Ah, il y a un jeu qui est génial aussi. Voilà, c'est le jeu des acrobates. Alors, vous voyez, la jaquette, c'est un mec qui saute sur un autre mec. En fait, le mec en dessous, il est en train de dire « Mec, t'es en train de me faire un saut chassé, tu vois ?» Un peu comme dans le catch, j'arriverai pas à te rattraper. Ça, c'est un jeu génial. Le volet. Ah, il y en a qui aiment bien le volet. Le chat recrache des boules de poils, c'est dégueulasse, mais c'est ça. Tu es ténor, Paco, c'est certain. Tu fais ça avec ma voix. En parlant, t'arrives à savoir ça?
Alors, le petit glitch sympa. Alors, les acrobates, c'est génial parce que il y a plein de modes dans les acrobates. Je vais vous montrer. Les acrobates de base, voilà, vous êtes en bas. Il y a les... Donc, au-dessus, c'est les ballons. Il faut récupérer les ballons. Il y en a un en bas, donc avec le tremplin. Vous faites sauter votre coco et hop! Hop! Alors, c'est de la maîtrise, évidemment. Alors là, les ballons bougent. Donc, il faut faire attention de bien viser. Hop, voilà. Waouh, génial! Hop, hop. Attention. Hop! Oui, oui, oui. Là, les ballons bougent, c'est un peu la chiasse quand même. Hein. Voilà, oui. Magnifique, magnifique. Ah, des points, plein de points, voilà. Et la barre se régénère. Et voilà, et boum. Et je meurs. C'est pas grave, on continue. Oui! Hop, c'est parti. Magnifique jeu. Alors, ça, c'est le meilleur jeu du monde aussi. C'est un jeu de score, hein. Ça, c'est pour GRS12. Voilà, les acrobates. Hop là, c'est parti. Attention. Paf! Et tu peux les lancer dans les airs. Oui, la ligne! Une ligne de S. Paf! Oui! Ah, oh, merde! Il est mort! Bon, c'est un jeu quand même qui est très très compliqué. Hein. Il y avait des jeux originaux, c'est vraiment génial. Hein. Tu fais des notes quand tu parles. T'es sérieux? C'est génial. Las Vegas pour Goldom. Ah, bah oui, évidemment. Punaise, il y a de la maîtrise en voltige. Attends, c'est génial, cette jeu des acrobates. Waouh! Quand tu fais des petits coups comme ça, regarde. Paf! Hop! Alors, ce qui est génial aussi dans les autres modes de jeu, je vais vous montrer les autres modes de jeu quand même, c'est que tu peux jouer à deux des fois. C'est-à-dire que t'en as un. Voilà, là, du coup, je peux pas jouer et c'est l'autre qui joue en fait. Tu vois, là, c'est moi. Et après, c'était à l'autre de jouer. Donc, c'est du. Tu vois, c'est du coopératif. Hop, attends, c'est à moi, tu vois. Et c'était génial quoi, tu pouvais faire ça. C'était du coopératif. Ressortez-moi un vidéo pack mini, merde. C'est les meilleurs jeux du monde, ça. C'est du coopératif. Alors, il y a un mode aussi où... Alors, voilà, où il y a une espèce de barre. Tu vois, il y a un handicap. Tu vois, hop, et paf, et tu vas, et voilà, et tu te prends la barre dans la gueule. Et l'autre, voilà. Alors, après, c'est à l'autre de jouer. C'est un peu à toi, à moi. Alors, il y a un mode aussi où les ballons ne bougent pas, tu vois. Et c'est un peu plus facile, on va dire. Tu vois. Là, c'est plus facile quand les ballons ne bougent pas. Voilà, c'est génial. Tu peux faire des points. Alors évidemment, le mieux c'est de faire 1000 points, mais je vais pas vous le faire. Pouvoir jouer à deux, c'était génial en fait, voilà. Et puis là, c'était l'autre qui jouait. Voilà, c'était du... Alors, soit du versus, soit du coopératif. Franchement, les acrobates, c'était un putain de jeu. C'était franchement un putain de jeu. Notez-le, les acrobates. Regardez, je remonte la jaquette. C'est plutôt un jeu de catch, parce que le mec fait un saut chassé, voilà. Est-ce que j'ai l'étiquette? Putain, j'ai l'étiquette Made in France. Des jeux Made in France, les amis, ça ne se fera plus jamais. Bon, on a déjà fait pas mal de jeux. Ah, il y a un jeu qui est pas mal. Bataille sous-marine, tu m'en as parlé, je crois, Inak. Pas mal du tout, hein. Avec un jeu aussi de tir. Je vais vous montrer. Alors là, il y a deux jeux, vous allez voir. Alors ça, c'était un jeu que mon grand-père adorait, parce que c'était un jeu de l'armée, voilà, l'armée, les gros obus, les gros canons. C'était génial. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça intègre à la fois un jeu donc, de bataille sous-marine, mais qui est en fait un jeu de bataille bataille navale, quoi. Alors là, il y a le jeu de tir. Alors, vous pouvez... Alors, vous avez un temps imparti, et vous pouvez... Donc, votre canon, il faut... C'est le truc bleu, là. Le truc bleu. C'est le truc... Alors, moi, c'est les trucs blancs. Moi, je vois pas à l'écran. C'est un truc vert, je sais pas quoi. Plus vous avez un obstacle, plus vous tirez sur une cible petite, plus... Ça vous rapporte 2 points. Par exemple, si je tire sur le sapin, ça me rapporte 2 points. Le carré, 1 point. Si j'essaye le petit point, je le loupe. Bon, c'est pas grave, parce que c'est compliqué. 8, tu vois, ça donne 8 points. Ah non, 6 points. Ah merde, je sais plus, il calcule en fait. Le gros carré, 1 point. Ah non, c'est ça, c'est 8 points. Ah oui, en fait, tu connais pas ton score en fait, tu connais qu'à la fin. Ça, c'est pas mal en fait. Le trait, ah le trait, c'est beaucoup, je crois. Voilà, ça... Merde, le trait! Oui, c'est pas mal! Pas mal! Bon, 41 points, voilà. On peut faire des super scores. Ah, Ganounouch s'en va! Ah, bon courage pour le taf, mon cher Ganounouch. Hein. Au moins, il y en a qui bossent. Et ça fait plaisir. Alors ça, c'est génial, en fait. Alors, à chaque fois, pour réinitialiser un jeu, il fallait appuyer sur la touche rouge. Genre, je vais refaire un petit coup de ça. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, le mode 0, t'as le temps... T'as des balles. Le mode 1, t'as 3 minutes. Et, bah, comment j'ai fait? Bah, pourquoi j'avais 0?
Oh, il y a eu dû avoir un bug. D'accord, donc en fait, le mode 0, vous avez 1 minute, le mode 1, vous avez 3 minutes. Alors, je vais essayer de faire un petit score sympa, 5 points. 1 point, c'est nul. 2 points, je vais essayer de tous les faire. Oh, 9 points le trait, magnifique. Le sapin, on a déjà fait 2 points. Le rond, 3 points. La croix, rien ne remplace la croix. Non, évidemment, la petite croix, rien du tout. Rien du tout. Mince, j'ai loupé la croix. La croix, ça se trouve, c'est beaucoup. 6. Le plus. 7. Ah putain, la petite croix. 6. C'est l'arnaque. Le bateau. Le bateau. Le petit bateau. 4. C'est nul. Le rond. Non. Le trait. Merde. Le bateau. Le bateau, j'ai déjà fait. Paf. Paf. Ah, mais j'avais plus de balles. D'accord. Quand t'arrives à plus de balles, voilà. 58. Bah, c'est pas mal. Il est stressant parce que tu peux tout bouger, tu vois. Je l'ai pensé étant gosse. Ah merde, je sais plus. Ah, peut-être les acrobates que tu parles. Ah, hello Dilou. Salut Dilou, des bisous à Dilou. Oh, c'est magnifique, il y a des filles sur ce stream. Alors, l'autre jeu, c'est... en fait, t'as un canon. C'est pas un hélicoptère, c'est un canon. Et il faut trouver les bateaux. Tu tires en fait dans les cases. Y'a rien. Y'a rien. Ah, il est là. Non, y'a rien. Y'a rien. Au-dessus. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai le 4. Magnifique. Et voilà, puis en fait, c'est un jeu de. C'est un jeu de bataille navale tout seul en fait. Voilà. C'est tout. C'est bien, hein. Voilà, c'est un petit jeu de bataille navale. Y'a rien d'extraordinaire. Un petit jeu de bataille navale. Ça fait toujours plaisir. Et faut faire le moins de coups possible. Génial, non? Alors, j'ai un jeu de Mahjong. Bon, je vous le montre. C'est du Mahjong? C'est du Mahjong, ça, on est d'accord? Oui, c'est le Mahjong. Regardez, le magnifique jeu de Mahjong. Évidemment, il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un décalage dans quoi? Dans la capture? Oh non, à peine. Jeu de dame plutôt. Othello, Othello. Peut-être. Tronic GPA a peut-être raison. C'est peut-être un jeu d'Othello. Alors, je vous montre vite fait. Là, en fait, tu demandes si tu veux que ça soit l'ordi ou pas. Alors, tu dis oui, non. Voilà, donc là, tu dis que c'est un ordinateur. Donc, tu demandes son niveau 1. Mais même le niveau 1, le mec, il t'arrache la tronche. Alors... alors moi je vois pas bien en fait, alors je peux modifier le contraste pour voir un peu mieux les couleurs. Merde, là j'ai bidouillé le truc. Ah non, ça c'est le truc. Ah non, on voit pas mieux en fait, comme ça. Alors là... Voilà, c'est... Mais même au niveau 1, l'autre il me scie quoi. Voilà, je suis pas bon hein. Voilà, parce que là il est en train de me poncer. Ouais, c'est ça, t'es en train de me... Là, il est en train de me... Là, j'apprécie pas. Voilà. Ouais, bref, c'est... Voilà, c'est un jeu de... Voilà. Un jeu de Go. Ah, peut-être un jeu de Go. On veut, quoi, Video Pack Game Collection sur CPC? Ben oui, hein. Il veut pas celui de Carcosoft? Non, évidemment. Décalage au moment où tu lis? Ah oui, il y a un gros... Ben oui, il y a un gros décalage au moment où je lis, évidemment, ouais. C'est de l'Othello. Bon, ben voilà. Donc, magnifique jeu d'Othello, magnifique, hein. C'est un jeu classique, hein, tous les supports longs. Mais le vidéopack, là aussi. Voilà. Magnifique. Ah, un petit jeu sympa aussi. Alors, bataille navale et combat de chars. Magnifique, hein. Regardez, la jaquette fait rêver. Des gros chars, des missiles, des gros tuyaux, des gros bateaux, des gros avions. C'est génial. On va jouer à la guerre. On va aller sous la tente, on va prendre sa douche. Faut ramasser la savonnette. Et tout ça. Bref. Alors, il y a un jeu sympa, donc c'est la bataille navale. Voilà, donc il y en a un qui guide l'avion en haut, et l'autre qui guide le bateau en bas. Donc, le but du jeu, bah, c'est de miner l'autre, et paf! Voilà, et ça pareil, c'est un jeu super pour le confinement, le jeu de la crise assurée. Voilà, donc quand tu tires sur les bateaux qui passent, faut viser l'autre, là. Voilà. Il y a deux trucs, vous voyez, au milieu qui, en fait, empêchent, et quand vous tirez sur les... Les bateaux qui ont rien à voir, sur les... Comment on appelle ça? Les PNJ.
Et bah en fait, bah, ça vous fait perdre un point. Voilà, c'est magnifique, hein, regardez. Oui! Oui! Regardez, je vais le niquer. Paf! Et tu peux tirer même quand t'es mort. Enfin voilà, je peux pas jouer avec les deux manettes, mais c'est le magnifique jeu. Super jeu, confinement. Après, sur cette cartouche-là, il y a un autre jeu. Quoi, jouer à deux entre les bateaux et les avions? C'est ça, c'est génial. Alors l'autre jeu, c'est un jeu de tank, et franchement, je le trouve pas terrible. C'est moche, PC au pixel, c'est génial. C'est super fluide, c'est génial. Le jeu de tank, on se fait chier. Alors, le jeu de tank, c'est quelle touche? C'est de A à L. Alors, attention. Le jeu de tank, droite et gauche, c'est pour faire pivoter le truc. Avant, c'est pour avancer. Magnifique jeu, et attention, on tire. Et on avance. Et on se fait chier. Alors, c'est évidemment le tank des garçons contre le tank des filles. Regardez. La, 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 la. On se fait chier. Alors, il y a évidemment plusieurs modes. Avec les murs et tout. Et il y a des mines aussi. Voilà, je l'ai tué. Magnifique. Voilà. Et ça, quand tu étais tout près, que tu tirais comme un porc, c'est la crise assurée. Jeu super confinement. Évidemment, des fois, voilà, tu as des mines. Et des murs, évidemment, donc quand tu te prends une mine, et paf! Voilà. Et puis t'as plusieurs, voilà, t'as des obstacles, voilà. C'est un jeu sympa, mais voilà, girl power, évidemment, magnifique. Les roses et les bleus. J'avais le même sur une télévision. Bah ouais, je pense que c'est à peu près le même truc. Hein. Ah voilà, Atari 2600, voilà, bon. Bah. Je pense que ce jeu-là, alors moi j'étais pas fan de ce jeu, franchement, je le trouvais chiant. L'espèce de bruit de moteur, là, un peu chiant. Voilà. Un jeu sympa aussi. Eh ben, je vais être obligé de faire une deuxième session vidéo pack. Hein. Je peux pas tout vous montrer les jeux. Le jeu qui s'appelle le jeu de panier. Alors, ce n'est pas du basket. C'est un jeu avec une crosse où il faut viser des paniers. Alors, c'est peut-être un sport qui a été homologué. J'en sais rien. Si vous connaissez peut-être plus que moi en jeu de sport où on a une espèce de balle et il faut viser des paniers qui sont accrochés au mur. Là, en tout cas, le dessin est super réaliste, super saisissant. On a l'impression d'y être. Alors voilà, c'est pareil, ça c'est un jeu qui se joue à deux. Le jeu anti-confinement. Alors moi je suis à le petit bonhomme, voilà, hop. On balance des balles. Et il faut faire le maximum de points. Ah bah y a l'ordinateur, voilà. Comme je vous expliquais, quand on bouge pas la manette, l'ordinateur prend le relais. Il y a deux ballons. Quand le ballon a votre couleur, eh bah vous marquez des points. Alors donc, du coup là pour le moment c'est l'autre qui a les points, salaud. Et il y a une espèce de robot qui se fend la gueule parce qu'il attrape vos ballons et il est tout content. Et il est content. Et quand vous appuyez sur le totem du milieu, ça change les points. Donc c'est un jeu génial, regardez, hop. C'est complètement au pif. Parce que bon, bah le robot au milieu qui se fend la gueule, bah il attrape vos trucs. Voilà, puis il les distribue, puis il est content. Ah, il est content. Par contre, là je vois rien du tout, je vois pas à qui et à qui. Ah, voilà, magnifique. Là je vois bien. Hop! Alors, ça, c'est un petit jeu de sympa, un petit jeu de score, mais bon, c'est du pif quoi. Là, y a rien à faire, faut attendre. Et vous voyez, une espèce de petite canne comme ça. Hop! J'ai récupéré mes balles! 3 points! J'ai que 3 points! Magnifique! Comment il fait l'autre? Magnifique! Ah! C'est génial! 8 points, oui! Ah non, l'autre il a récupéré, l'espèce de robot dégueulasse! Mais vous l'avez en couleur, c'est plus joli. Ah merde! Ça y est! Enfin bref, c'est un jeu sympa, voilà, regardez. 2 points, magnifique. Magnifique jeu, voilà. Le jeu de panier, alors, c'est trop bien. Les trajectoires manquent un peu de variantes, voilà. C'est un peu le bordel, bon, ça glitch, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu, voilà, bon. Un beau là. T'as fini d'analyser mes notes? T'as quoi? T'as une espèce d'accordeur quand je parle et puis d'un instant que je fais une note? Ça y est? Donc voilà, magnifique jeu de panier. Ah, alors ça c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu qu'il fallait. Alors, c'est un jeu. Le jeu s'appelle... Attrape la balle. Voilà, alors c'est toujours dans le évidemment le marketing. En fait, pourquoi je galère? Parce qu'en fait, tous les noms des jeux sont traduits. Et il faut trouver le français. Donc c'est Attrape la balle avec un joli dessin de clown. Voilà. Il était mignon, le clown ne faisait pas peur, il était cool. Il attrape des balles. Ça, c'est un jeu plutôt cool, vous allez voir.
Alors, c'est un jeu, voilà, vous êtes le clown. Vous pouvez jouer évidemment à deux, mais moi je suis tout seul. Alors, la balle tombe. Alors, là on joue à deux. Non, je vais jouer tout seul. Oh ! Voilà, et donc il faut attraper les petites babales et faire le maximum de score. Votre clown, quand vous appuyez sur le bouton action, il court. Pour attraper les balles qui sont un petit peu récalcitrantes. Voilà, faire un maximum de points. On est en dessous. Voilà, c'est pas mal. On dirait une espèce de... Je sais pas, qu'est-ce que ça peut être comme type de jeu, ça. Ah, mais c'est vachement plus joli en couleur, hein, franchement. Je devrais la mettre sur la grosse télé. Oh là là, la balle! Oh! Alors, quand je perds, maintenant, c'est à l'autre. Voilà, c'est une espèce de petit versus. C'est le petit versus sympa. C'est cool, hein, comme jeu. Le petit jeu de clown. Voilà, bon. Par contre, c'est une variante du pachinko. Voilà, exactement. C'est ça. C'est une variante du pachinko. Non, j'ai juste ma gratte dans les mains, lol. Salaud! J'attends que tu me refasses un beau si bémol. T'es dingue, toi. Alors, l'autre jeu, et je pense qu'il était utile à avoir sur Vidéopack, c'est ce jeu. Le Morpion. Alors, attention, moi, je vais là. Et 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 moi, je vais te niquer la gueule, je vais là. Et ben, moi, je vais faire le con et je vais dire là. Et ben, moi, je vais te niquer et je vais dire là. Et pourquoi? Ah oui, parce que en fait t'en as que 3. Donc tu prends un et tu le déplaces. Magnifique, non? Il fallait un jeu de morpion. Aussi petit que ça d'ailleurs. Magnifique, magnifique le jeu de morpion. Par contre, tu vois, il faut tout le temps déplacer un truc. C'était utile, il fallait un jeu de morpion. Alors, là je vais vous montrer un jeu. Un jeu. Je vais le faire en entier celui-là, parce que ça c'est un jeu qui me tient à cœur. Le jeu s'appelle Le Monstre de l'Espace. La jaquette est démente. C'est génial. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Et ça, je vais vous le faire en entier. Ça pareil, petit jeu du cœur. Petit jeu qu'on dose en famille. Un jeu, un joueur d'ailleurs. C'est un petit jeu, vous allez voir. C'est un Space Invader. Voilà, c'est un Space Invader, c'est magnifique. Et c'est parti. Donc moi je suis le truc en bas et les bonhommes me tirent dessus. Voilà. Il y a des obstacles, il faut les buter, sinon ils te tirent dessus. Quand ils ont plus de missiles devant eux, c'est la Hesse. Regardez, hop, voilà. L'araignée au-dessus, c'est le boss de fin. Vous avez des boucliers, évidemment. Hop, les boucliers sont indestructibles. Ils vous permettent simplement de vous régénérer. Quand vous faites tirer dessus, vous devenez un petit bonhomme vulnérable. Et vous pouvez... vous régénérez en utilisant un de vos boucliers. Salon ! Oh ! Le coup de maître, c'est de toucher le petit bonhomme, évidemment, sans toucher, voilà, le truc. Et quand vous touchez, quand vous arrivez à tous les bonhommes, paf, c'est bon. Lui il va être dur, lui, parce que, en fait, ils avancent. Je sais pas si vous avez remarqué, ils avancent, les bonhommes. Et là, l'araignée... Mais lui, j'arriverai pas à l'avoir, lui. Il est derrière le truc, lui. Oh, presque. Oh, nickel. Oh, cette précision. Elle arrive. Ouais. Voilà, paf. Et ça recommence, et il faut arriver comme ça jusqu'à 10 pour vaincre, évidemment, l'envahisseur de l'espace. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu sympa. Je vais vous montrer comment ça fait quand je me fais toucher. Regardez. Hop. Et du coup, pour se générer, hop, vous prenez... Un truc, du coup, bah, il vous manque un bouclier. C'est le petit jeu sympa. Mais laisse-moi te tuer, toi. Laisse-moi te tuer. Paf! Alors, on peut la tuer, d'ailleurs, vous avez vu? L'araignée, elle s'en fout. Elle en a rien à foutre, l'araignée. Elle marche sur le score. Paf! Voilà, paf! Ça, c'est le petit coup de maître. Voilà, je vous le montre comme ça, c'est sympa. Allez! Paf! Sympa, paf, paf. Ah, je l'ai pas lui. Hop. Ah mince, j'arriverai pas à l'avoir lui. Ah si. Oh, oui. Oh, santé. C'est la grosse araignée. Ah, loupé. Viens. Oui. Magnifique. Voilà, magnifique jeu. Ça, franchement, c'est un jeu que j'adore. Je vais pas vous le streamer tout le temps, mais
Ça, c'est un jeu que j'aime. Ah, celui-ci à la fois, évidemment. La jaquette est cool, ouais. J'aime bien le morphe, le morphion, c'est dégueulasse. C'est bizarre de le voir en couleur. Bah ouais, il y a une drôle de gueule ton vaisseau. Il est génial. Bouclier destructif, bouh, bah ouais, c'est ça. Des sprites masqués. N'importe quoi. Ah, celui-ci à la fois, évidemment. Ouais, bah c'est ça, je l'ai déjà lu. Voilà, donc ça, c'est un petit jeu, franchement, plutôt cool. Je vous le conseille, évidemment. Alors, un jeu, je vais vous montrer un jeu. Alors, il y a des fois des jeux, c'est l'incompréhension totale. Peut-être que Inak, toi qui connais un peu, tu vas me dire, ah oui, mais en fait, ce jeu-là, faut faire ça. Le jeu des singes. J'ai jamais rien compris. Le jeu s'appelle Singerie. Voilà, regardez, Singerie. C'est un petit jeu Singerie, je vais vous montrer. C'est nul, les graphismes sont pas tramés, effectivement. Alors, Singerie, j'ai jamais rien compris. Je vais vous montrer. Tu l'as jamais eu. J'ai jamais rien compris. Voilà. On est deux explorateurs en bas, donc ça se joue à deux, évidemment. Voilà, je vais en prendre un. Il y a des singes, comme vous voyez, et c'est une espèce de cage. Alors, on peut monter, on peut se balader. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors, on peut attraper un singe. Ah, il est autour de nous, il est content. Quand vous faites comme ça, il se barre. Jusque-là, il n'y a rien, d'accord. Vous allez me dire, ouais, bah, c'est nul, en fait, comme jeu. On monte dans la cage. Regardez, je vais attraper un singe. Et je vais le balancer. Et il est vénère. Et quand il est vénère, et ben, il peut vous filer la rage. Et vous mourrez. Et après, il se calme. J'ai jamais compris le jeu, à part des fois, en fait, se balancer le singe sur l'autre, en fait. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ah, je meurs. Voilà. Et comment ça se fait que je meurs pas, moi? L'autre, il a pas changé de couleur. Ah, ça y est, je suis mort. Voilà. Et quand les deux sont morts... Petite musique. Et on change de niveau. J'ai jamais rien compris à ce jeu, en fait. Les balancer dans la cage. Mais même pas. Ils s'en vont de la cage. Donc, je sais pas. Alors, moi, le seul truc sympa qu'on trouvait à faire dans ce jeu, avec les cousins, je vous raconte ma vie, c'est qu'en fait, tu peux customiser le parcours. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a marqué Monkey, et puis il y a des chiffres. Donc, bah, tu fais M. Par exemple, M8. Et tu fais Hunter. Et vous avez vu, il y a une barre qui s'est rajoutée. Si tu veux que ce soit une barre dans l'autre sens, il faut que tu commences par 7, M, Hunter. Et tu fais un petit carré en haut. Et nous, on s'est éclaté à faire des petites caches comme ça, à customiser en fait le panel. Mais je comprends pas l'intérêt du jeu en fait. Ici, il faut se balancer les singes. Tu te balances les singes en fait. Paf! Alors ça te fait 1. Alors du coup, t'es content parce que l'autre il est grillé. Paf! Alors du coup, ça te rajoute des points. Et puis voilà, bon, du coup, tu meurs. J'ai jamais rien compris à ce jeu, en fait. Ah oui, Eric, bien sûr. Mais ça, c'est, je le garde pour la fin, Eric. Je le garde pour la fin. Donc voilà, c'est le jeu, ce qui s'appelle Singerie. Voilà. Enter, Mirée. C'est fou. Je fais des notes en parlant, t'es dingue, toi. Donc, ok. Là, on en a déjà fait au moins une vingtaine. Hein. On est presque au bout, je vous rassure. On va arriver... On va arriver dans les jeux... On va arriver dans les jeux sympas. En tout cas, c'est les jeux que je connais. On va se faire sûrement le jeu de programmation, parce que je pense que tout le monde a envie de le voir, le jeu de programmation. Alors là, je vais vous montrer... un jeu plutôt cool. C'est le jeu... Il y a trois jeux. C'est le premier jeu, d'ailleurs, il y a marqué le chiffre 1. C'est le jeu de bagnole. Et le jeu de bagnole... Faut balancer, quoi? Le plus de fois les singes? Bah ouais, c'est ce que j'ai compris aussi, ouais, mais après... Alors, le jeu de bagnole, il y a trois jeux. Et j'adore le premier jeu. Niveau 1, niveau 2. Ça me rappelle... Je sais pas si vous aviez... Les jeux de bagnole que, tu sais... Où ça tournait comme ça, et puis tu sais, t'as les voitures qui arrivaient, puis il faut les esquiver. Vous allez voir, hop, je vais prendre le niveau 2... C'est parti. Et là, je suis en train de vous niquer les oreilles. Ah, les boules, voilà. T'accélères. Voilà, qu'il faut éviter les voitures. Et ça, je trouve que c'est génial comme jeu. Alors, il y a sûrement
Et du coup, Solorenzo me le dira, il y a sûrement une séquence et il faut toujours faire la même chose. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, tu stresses en fait. Tu stresses les examens. Tu te dis, ah merde, non, oui, j'ai oublié le truc. Mais ça, c'est un jeu, je trouve franchement cool. Tu vois ? Moi, j'ai regardé l'écran là, du coup, j'ai pas pu. J'ai loupé. Et j'ai jamais réussi à le faire d'un seul tenant. En 2 minutes. 2 minutes, c'est long. Je vous rassure, c'est long. Mais il y a sûrement un truc à faire. Il y a une séquence, hein, c'est sûr. Les bagnoles doivent tomber au même moment, au même endroit. Il n'y a pas d'aléatoire dans ce jeu. C'est génial, j'adore ce jeu. Par contre, le son. C'est la voiture qui roule, quoi. C'est la Formule 1, merde. Ayrton Senna, quoi. Michael Schumacher. Magnifique jeu. Regardez ça. Magnifique. Génial, hein. Putain, je vais loin, ouais. Oh, je vais battre mon record, ouais. Je vais pas trouver les mon record. Ça, c'est un jeu GRS12, ça, vous voyez. Magnifique jeu, quoi. Magnifique. Bref, on va pas faire le jeu en lentiste, on va se faire chier. Méga fluide, c'était super fluide. Et encore, là, vous avez une capture, peut-être en 50 Hz, c'est encore, je suis pas sûr. Mais sinon, c'est super fluide, hein. C'est ça, Tommy, quoi, comme dans Daryl, avec le volant. Oui, c'est ça, les jeux... Un jeu GRS12, voilà, ben c'est devenu la référence. Hein. Mon frère en a un mécanique, c'est plus simple à faire en réalité, effectivement. Alors, il y a un autre jeu dans cette cartouche. Enfin, ça. Voilà, le petit jeu de voiture. Alors, là, tu pouvais jouer avec un copain. Attention, compte à rebours, 3, 2, 1, et c'est parti. Et c'est le jeu de voiture. Alors, faut jouer avec un pote, hein, évidemment. Ça, pareil, c'est le jeu qu'on joue avec les enfants, le jeu de la crise assurée. Le jeu du confinement, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est pas un jeu à la GRS. Voilà, hop, hop, hop. Alors, vous pouvez, évidemment, lâcher le bouton action et vous allez beaucoup plus pépère. Quand vous tapez un mur, c'est l'enfer parce que... Voilà. Quand vous appuyez sur le bouton action, vous accélérez. Ouais. Et vous avez 15 tours. Parce que j'ai fait 15 tours. Le niveau 1, il n'y a rien. Merde. Le niveau 2, c'est 3 tours. Le niveau 3, c'est 15 tours, mais il y a des obstacles. Et le niveau 4, c'est 15 tours avec des obstacles. Ok, voilà. C'est le petit jeu de course. Super sprint avant l'heure, exactement. C'est le label GRS12, c'est le label. T'as oublié les balances bananes. T'as oublié de balancer les bananes. Mais les bananes dans le jeu de singe, mais il n'y en a pas. Et le dernier jeu, et ça c'est un petit jeu sympa pour apprendre les lettres. Je vais vous montrer. Voilà. Si vous mettez, par exemple... Est-ce que je vais marquer? Non, je vais pas arriver à marquer, je vais effacer. GRS12. Et quand vous faites entrer, ça vous mélange les lettres. Et c'est génial parce que ça, que les gamins, tu peux leur faire découvrir des trucs. Ils sont là. Ah, oh, mais je sais pas. Ah! Ah non. Ah oui, ah! Il y a un espace. Ah, mais oui, bien sûr! C'est le fameux jeu GRS12, le label, voilà. Et tu fais 4 fautes. Et ça, c'est un jeu génial pour les enfants. Ça, c'est franchement le jeu super sympa. Donc regardez, c'est la cartouche numéro 1 du jeu vidéo pack. C'est génial. On peut écrire GRS12, bien sûr. Comme on peut écrire, évidemment, Solo Ren 0 doit... mourir. Voilà. Mais par contre, si tu vas dans la ligne du dessous, ça marche pas. Ça tient que sur la première ligne. Voilà. Magnifique jeu. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai marqué. C'est horrible. Excuse-moi. C'est ce que tu m'emmerdes avec tes trucs. Voilà. Donc, c'est génial. C'est un petit jeu sympa. Bon. Alors, donc ça, c'était vraiment un petit jeu God Tier que j'aime bien. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Un petit jeu God Tier que j'aime bien. Oui, ça. Alors, ça... Là, on commence à rentrer dans le top des jeux. En plus, j'avais envie. De quoi? Attends, j'ai envie de mourir. Le bruit de la mâchoire de contact de cartouche, c'est une vraie identité sur cette console. C'est vrai. Exactement. L'espèce de truc que tu insères là à la fond. Alors, ça, c'est un jeu excellent quand t'as deux gosses. Pareil, le jeu du confinement, c'est pas un jeu GRS12, c'est le fameux jeu de...
catapulte. Ça, c'est génial. Ah, j'ai plus l'étiquette en carton. Merde. Ça a déjà perdu moitié de sa valeur. Ah, fait chier. Ça, c'est génial. Le jeu de catapulte, je vais vous expliquer. Donc, c'est deux joueurs. Il y a... regardez. Donc, vous avez, chacun a un côté de l'écran. Évidemment, c'est la fille contre le garçon. Voilà. C'est un peu un gars, une fille, tu vois. Et donc, t'as ta manette. T'appuies envers le bas. Plus tu maintiens, plus... La puissance est bonne, tu vois. Plus ça envoie, plus ça envoie de la, ça envoie à sa rage, quoi, tu vois. Attention. Et le but du jeu, c'est de buter l'autre château. Alors là, j'ai mis... Tu peux choisir la puissance au début. Je vais mettre puissance 2. Puissance 2, c'est normal. C'est-à-dire que tu fais ça... Ah non, puissance 2, c'est déjà... Puissance 3. Ah non, puissance 3, la balle, elle va au ciel. Donc, il faut évidemment buter l'autre. Alors l'autre, évidemment, il tire aussi, hein. Regardez, hop, hop, hop. Et tu peux te buter toi-même. L'autre, toi, il est mort. Et il revient, il va à l'infirmerie. Tu peux évidemment buter aussi la catapulte de l'autre. C'est très rigolo. Paf! Alors tu peux faire glitcher le jeu aussi. C'est-à-dire quand il revient, paf! Des fois, ça fait des bugs. C'est ça qui est rigolo, parce que il y a des séquences, évidemment, qui sont pas prévues dans le jeu. Tu peux buter le gars, buter la catapulte. Du coup, ça fait des glitches dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment le jeu génial avec deux enfants. Ça, c'est pas mal, tu vois. Par contre, évidemment, si les enfants sont mauvais joueurs, comme tous les enfants, eh ben, c'est souvent sujet à des crises. Voilà. Paf, regarde. Hop, je vais péter sa catapulte à l'autre cinglé. Et paf. Et tu peux, quand il revient, le buter. Tu vois, ça, c'est rigolo. Mais c'est des sujets à crise, évidemment. Voilà. Et le truc au milieu, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, c'est le jeu un peu Kaamelott, tu vois. Je trouve ça cool. Paf! J'aimerais bien vous montrer comment ça marche quand on gagne. Alors évidemment, il faut faire toujours la même chose. T'appuies vers le bas, tu relâches. Voilà. Magnifique. Attention. Paf! Encore deux coups. Hop! On voit qu'il y a de l'entraînement. La catapulte dégage. Et c'est vraiment une balle à la fois. Génial. Le meilleur jeu du monde. Voilà. Catapulte. Donc ça c'est un super jeu. Chibel Daron, champion de catapulte sur Vidéopack. Non mais j'adore ces jeux. J'adore ces jeux. Franchement. Catapulte. Ça c'est un bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ça. Ça c'est bien. J'ai une petite pile de jeux que je connais pas en fait, je répète, hein. Mais j'ai une pile de jeux que Phoenix m'avait acheté, où il y a le jeu programmation là, que je connais pas, donc j'aurais moins d'enthousiasme à vous les faire découvrir parce que je les connais pas. Alors là c'est un petit jeu sympa, c'est le jeu du labyrinthe. Je vais vous montrer, voilà, c'est la jaquette est cool aussi, c'est deux robots qui sont perdus dans un labyrinthe, voyez. Et il y a un autre jeu avec, je vais vous montrer. Alors, le jeu, donc on peut choisir la version. C'est un labyrinthe qui, du coup, bouge dans tous les sens. Donc, il faut, évidemment, faire le moins de temps possible pour retrouver la sortie. Alors, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Il faut trouver la sortie, vous êtes bloqué. Vite, 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 faut trouver la sortie. Oui, 12 secondes. Magnifique, record battu. Et là, du coup, vite, 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 vite. Alors là, on est tout seul, évidemment. Mais ça bouge. Ah, je suis coincé. Allez, boule. Ça bouge dans tous les sens, c'est cool. Vite, 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 vite. Vite, petit carré, petit pixel. Va-t'en vite, trouve la sortie, trouve le chemin. Oui, magnifique, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a évidemment les trucs qui bougent pas. Hein, voilà. Ça, c'est cool aussi. Ça bouge pas. Alors ça, pour les enfants, c'est plutôt sympa. 8 secondes. L'autre, il dit, ah, c'est bon, t'inquiète, je vais gagner. Le petit versus, évidemment. Allez! Par contre, c'est super réactif. Parce que j'appuie sur le bouton. Quand t'appuies sur le bouton, tu vas très 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 vite. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a le jeu, évidemment, où tu as... Alors, faut que je trouve. Alors, il y a le jeu à deux, évidemment. Voilà, deux. Sortez, dépêchez-vous. Voilà. On est à deux. Et là, c'est tout pour ma gueule. Quand il y en a pour moi, il y en a pour moi. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Attends. Hop, non, voilà. Hop. Et le mode 9... Il y a l'espèce de petit chat qu'il faut pas toucher. Non, non, me touche pas, petit chat. Pars-toi.
Non ! Non ! Non ! Waouh ! Voilà, ça c'est génial. Il y a un autre jeu qui est le Supermind. Ça c'est un jeu Soloren Zero, tu vois. As-tu le jeu Tank ? Mais je l'ai montré et il est pas bien, moi je l'aime pas. Alors, voilà, ça c'est le Mastermind. Non, oui, le Supermind. Oui, bah comme Mastermind en fait. Faut mettre des chiffres. Bah vous connaissez le truc, hein. Alors, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il n'y a rien du tout, 3, 4, 5, 6. Merde, alors 1, 8, 9, 7. Rien. Mais c'est débile. 0, 5, 7, 2. Quoi? Je suis nul. 3, 2, 5, 6. Non. Non. Mais... Qu'est-ce qui se passe? J'étais loin de l'écran. Ah, d'accord. Le temps qu'elle est, ouais. Le chat, il a le Covid. C'est ça. Il faut se battre. Mais merde, je suis nul à ça. 9, 9, 9, 9. 8, 8, 8, 8. Ah, ça, c'est la tactique pour trouver le chiffre. Bah, c'est pas possible. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. On va pas me dire qu'il y a les lettres aussi. C'est quoi ce mastermind de merde? Il n'y a aucune lettre. Il y a un bug là. Et je pensais que c'était avec les chiffres. Salut Studying Soul. Salut Descartes. Bienvenue à toi. Ça faisait longtemps. Un petit stream vidéo opaque. Mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais c'est pas possible. Il est bugué. Attends, il est bugué. C'est A ou B? Ah, bah attends. Non, mais il est planté. Il est planté. Mais il est planté. Vidéopack, oui. Zoro pour voir? Non. Mais c'est pas possible. Il marche plus. Mais sérieux, il marche plus. Comment ça se fait? Il marche plus, mon Supermind, je suis dégoûté. Texte. A, B, C, D. Ok. A, B, C, D. Bah oui, bah alors, le A. Il marche plus. Oh, que je suis dégoûté. Mais c'est pas possible. Bon, bah écoutez, les gars. Je suis deg. Bon. Ah si, elle. Elle. Bah la vache. Je me souviens plus que c'est super dur. Comme ça, je pensais que c'était que des chiffres. Tu m'étonnes que j'y arrivais pas quand j'étais gosse. Lui. Oui. Oh, il marche, je suis content. Oh, je suis content. Il marche. Oh, je suis rassuré. Voilà. Donc ça, c'est un super jeu sympa. Franchement, les robots et le petit mastermind, sympa. En confinement, je trouve que c'est un bon jeu sympa. Ça peut faire travailler aussi les neurones des gamins, c'est cool. Ah, confinement, ça y est. Alors... Il reste 3 jeux, on rentre dans le top 3, on est pas mal. Voici le jeu, alors il y en a 3 aussi. Un petit Memory, que je trouve plutôt mignon. Le jeu le plus court au monde. Le jeu de fusée. Et un petit jeu qui s'appelle Logique. Un jeu Soloren Zero, vous allez voir. Il commence à bien sentir l'eau, chaud le vidéopack. C'est chaud, hein, ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein. Ça chauffe. Il fait combien dans la piole là? Je transpire. Il fait 26 degrés. Ah, je vais crever en fait. Alors, le petit jeu sympa. Alors, le jeu qui s'appelle Père, mais c'est Memory. Hein. Regardez. Alors, c'est 1 ou 2. Alors, tu peux jouer tout seul, si t'as envie. Et je trouve ça plutôt cool parce que bah, t'as les lettres. Donc, du coup, bah, le gamin, ça lui force un peu à chercher sur le clavier. M, I. Non. J, K. Non,
Je trouve plutôt mignon en fait ce jeu. A, B. Non. S. N. Non. Q. Ah merde, je l'ai eu celui-là. N. Merde. Ah, je l'ai eu lui. O. A. O. N. Ok. J'en ai un. J. G. J. G. Jean-Jacques Goldman. Non. F. A. A. Oui. E. S. Oui. H. J. Oui. T. Ah, je l'ai pas eu le sapin. L. Non. K. C. Non, B. I. Oui. D. K. D. K. D. K. Bien, bien vu. P. A. T. P. T. Oui. L. Q. Non. Merde. R. A. G. Non. G. L. Pas G. X. Oui. M. C. Merde. Oh, je vais me tromper pour la fin. Q. C. Non. Q. M. Quel con. Q. M. R. C. Ouais, merci, magnifique. Il bat tous les scores. DK, DK. Bah oui, bien sûr. U, A. Bah, ça y est, on joue tous ensemble. C'est vrai que, ouais, ça chauffe de ouf. Ah merde, c'est pour montrer les autres jeux. Sacrilège. Le magnifique jeu de fusée. Attention, vous êtes prêts. C'est le jeu le plus rapide du monde. On est prêts. Attention. Ok. Chacun dirige une fusée. Une seule commande, le bouton action. C'est tout. Attention, vous êtes prêts. C'est le premier qui atteindra la truc du haut. Je prends les deux manettes. C'est parti, c'est lequel qui va y arriver. Oui, gagné. Voilà, le jeu c'est ça. Alors, il faut laisser la chute au début. Vous êtes obligé. Vous pouvez pas essayer de mettre les gaz et rattraper le truc en haut. Ça marche pas, je vais vous montrer après. Attention. Qui c'est qui va gagner. Alors, nous on était là, on était là. Oui, oui, on a gagné. Ah, c'est lui. Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre lui par exemple. Regarde, je vais freiner sa course. Et tu vois, non, ça marche pas. Il faut attendre. C'est un Mario Party, c'est le premier jeu Mario Party. C'est pas Animal Crossing, ça. Regarde, attention. Ah oui, vous avez la puissance des moteurs. Alors évidemment, moi, je suis mieux, moi, parce que tu vois, j'ai pas grillé mon moteur. Et paf, et voilà. C'est le jeu le plus rapide du monde. Voilà. Alors le fameux jeu Lorenzo, attention, c'est le jeu de logique. Oh putain, ça m'explose la gueule. Il faut faire une suite de chiffres. Par exemple, 4, 7, 6, 3, 2, 0. Alors, entrée. Et là, il te dit que t'as un chiffre de bon et 0 bien placé. Ah, ça c'est un jeu pour Solo Run Zero. Alors, cosinus de ma bite, x 2, 8. Ah, j'en ai un bien placé et 2 de bon dans la liste. J'ai les oreilles qui sifflent. Mais non. Alors, j'en ai un bien placé. Oh, on rigole, qui aime bien Chatibia. La probabilité. Bon cul. Oh, deux bien placés. Et deux. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais c'est facile. Ça, c'est easy, ça. Voilà. Bref, c'est un jeu de logique, c'est plutôt cool. Et t'as le nombre d'essais, évidemment, qui s'affiche à côté, là. Ça, c'est un truc, si t'atterris en sorte, tu redécolles plus vite, non. Si tu t'arrêtes atterris en douceur, non, il faut déjà que tu t'écrases. Mais t'es obligé, oui, tu peux atterrir en douceur si tu veux. Je suis catalogué. Voilà, donc ça, c'est le petit jeu de logique. La logique, comme les pompes primaires, Solo Ren Zero, il aime ça. Voilà. Alors, attention, top 2. Enfin, top 2. Je vous dis, top 2. Top 2 quoi. Alors, je vais dire ex aequo. Parce que franchement, celui-là, ce jeu-là, mais je l'ai poncé. Ça, c'est le jeu. T'es obligé. C'est génial. Le jeu de bowling et le jeu de basket. Ça, c'est une valeur sûre. Alors, je l'avais déjà sorti parce que, évidemment, j'y jouais avec les gamins. Le jeu de bowling. Alors, le jeu de basket est pourri. Mais alors, le jeu de bowling, tu peux y jouer à 4. Évidemment, 4, chacun l'un après l'autre. Alors, 2, 1, nombre de joueurs. Donc, moi, je vais mettre que je suis tout seul parce que je joue tout seul. Voilà.
Non, je vais vous mettre quand il y a plein de joueurs. Parce que ce qui est sympa, c'est que ça change de couleur. 4 joueurs. Allez. Alors évidemment, il y a les manettes et tout. Alors, il y a une technique. Alors ça, c'est évidemment, hein, Wii Sport, évidemment, avec le jeu de bowling, ça n'a rien inventé. Ça, c'est la base du bowling. Il y a des petites techniques pour faire des strikes. Je vais vous la montrer, vous allez voir, c'est facile. Alors, je suis pas sûr que ce soit la bonne manette. Alors, il faut évidemment lancer la balle avec action, la balle, la boule. Et après, orienter la balle, mais orienter une seule fois. Tu peux pas faire ça avec la boule, hein. Attention. Ah bah, c'est pas la bonne manette. Ah merde! Tant pis. Vous avez vu la petite technique qu'il faut avoir? Et une fois que t'as tourné la bille, la boule, elle tourne, voilà. Ah, 9 points. Ah, dommage. Alors, l'autre joueur a une autre couleur. Vous voyez? C'est beau en couleur, hein. En noir et blanc, c'est un peu pourri. C'est beau en couleur. Vous avez, vous, un beau truc. Attention. Ah, c'est pas la bonne manette. L'autre, il a l'autre manette, d'accord. Oui! C'est comme ça qu'il faut faire un strike! 30 points et bam! Voilà! Mais voilà! Alors, l'autre il joue. Joueur 3. Et l'autre il dit bam aussi! Et paf! 30 points! Et voilà! C'est comme ça qu'on fait! J'ai plus de rétine! Ah! La fille elle joue. Bienvenue, changement de couleur, c'est super chouette. Ah bah non, bah là la fille elle y arrive pas, bah non, il lui faut des petites billes. Ou alors il lui faut le crocodile là pour balancer la boule là. Et puis les rondins dans les gouttières. Oh, c'est ce cliché. Ce cliché de merde. Ah, c'est beau les couleurs, hein. Putain, ça flash. C'est pas les couleurs du C64, hein. Mais non, c'est génial, regarde les couleurs. C'est génial! Dans le confinement là. Ah merde, on a besoin de ça au confinement. Le bleu est joli, hein. J'aime beaucoup le bleu Vidéopack. C'est un beau bleu, tu vois. Pas un bleu clin, mais presque. Bon, ouais, je vais faire que 2 tours, hein, on va pas s'emmerder. Et après, je vais vous montrer. Alors voilà, je me suis paumé. Je vais essayer de refaire un petit strike quand même, hein. Et ça, franchement, ce jeu là, c'est addictif au possible. C'est vraiment de la compétition. Enfin, c'est génial, quoi. T'as mis les... Bah oui, c'est lui. Mais il faut les lunettes de soleil, écoute, hein. Attention. Concentration. Ah là là, ça se joue, mais au poil de cul, quoi. C'est au pixel, le pixel perfect, quoi. Ah merde. Je bronze devant l'écran. Allez, je vais essayer de me faire un petit strike. À l'ancienne, quoi. Oh là là, ça c'est le truc le plus con, c'est que tu choisis entre tu vois, la peste ou le choléra, quoi. Voilà, du coup, ça, allez, ça fait que 9 points, c'est pas grave. Ah, bah, c'est joli comme score, 18-39, 39-18. C'est pas une guerre, mais pareil. Ah, j'ai plus le coup de main, hein, c'est chaud, hein. Faut que je me rentraîne un petit peu. Allez. Ouais, après on se fera le dernier jeu et on quittera parce qu'il est minuit, hein. Les autres jeux qu'on n'a pas fait, bah on fera dans un autre stream. Allez, un petit strike là. Ah merde! Putain, des fois on y croit quoi. On est à fond quoi. Ah merde, bah attends, j'ai pas fini, c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour. Oui, magnifique. Magnifique. Oui! Ni nanana. Allez. Bon, allez, j'y arriverai pas. Je vais vous montrer le jeu de basket. Demain, je bosse. Bah, bon courage. Encore un petit jeu et après, on a fini. On va se transformer en citrouille. Attention, alors, le jeu de basket, je suis assez fier. Attention, le jeu de basket, c'est une exclue. Le truc jamais testé. Alors, vous voyez, un jeu de basket classique, hein, c'est un versus. Vous voyez, hop, l'autre, il est là. Il peut vous piquer la balle. Ça fait des oreilles de Mickey. Alors, déjà, il y a le glitch oreille de Mickey. Attention. Attention. Oreille de Mickey, voilà. Ça, c'est le petit glitch sympa. Alors, vous le voyez pas parce que c'est pourri. Mais moi, je le vois, ça clignote à l'écran. Alors, ça, voilà, c'était le petit glitch oreille de Mickey. C'est cadeau. Donne-moi la balle. Alors, je vais vous montrer le jeu, comment il marche. Hop. Alors, vous voyez, il faut envoyer la balle. Tu peux pas marquer 3 points. Hop, 1 point, magnifique. Oui, alors, voilà. Donc, c'est un jeu classique de basket, évidemment, de marquer des 2 points. On peut pas marquer 3 points.
Voilà, on peut pas. C'est tout des... De toute façon, c'est trop loin. Hein. Voilà, c'est tout du 2 points. Je vais vous montrer le glitch ultime sur ce jeu. Attention, vous êtes prêts? Petit glitch. Salut Rafo, bah t'arrives pour le glitch. Courage à ceux qui bossent, évidemment. On avait fait un tournoi dessus en soirée étudiante. C'est génial. Attends, je vais lui piquer la balle. Donne-moi la balle. Donne-moi la balle. Merci. Attention, le glitch. Est-ce que Inak, tu connais le glitch? Dis-moi, parce que je vois que Inak, il connaît le vidéopack. Est-ce que tu connais le glitch de ce jeu? Je vais te le montrer, du coup. Et ça me fait... C'est un honneur de te montrer ce glitch. Dis-moi tout. Tu connais pas le glitch? Oh, génial! Attention, le glitch de ce jeu. Alors, faut bien se mettre, hein. Ah, presque. Alors, attends. Ah, je vais y arriver, attends. Il y a un truc. Oui, ah, presque. Ouais, presque. Ah, merde. Alors, faut peut-être un peu plus près. Oui. Là. Oui, voilà, regardez. Et paf. Et paf. Et paf. Et panier contre moi, mais c'est pas grave. Merci, Sophie, pour le host. Magnifique glitch. Ça, c'est beau, ça. Tu pètes le score. Regarde. Hop. C'est génial. Et paf. Génial. J'ai hacké le jeu, quoi, tu vois. Et non, personne ne l'a jamais fait au monde. Ah, oh, j'adore le vidéopack. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des machines de cœur. C'est comme l'Amstrad CPC. C'est des trucs. C'est ancré, quoi, tu vois. Et si tu prends la partie, hop. Voilà, magnifique. Alors ça, voilà, ça, c'est le petit truc sympa. Surtout le bowling. Allez, dernier jeu. Dernier jeu, après, on se fait des bisous. Et évidemment, Eric aura deviné. Le jeu, évidemment, spécial confinement. C'est pas un jeu GRS12. C'est pas un jeu Solo Red Zero. C'est un jeu, le jeu du cowboy qui s'appelle Duel. Voilà. Et c'est le jeu, ça, c'est un jeu génial. Alors, le jeu cowboy. Voilà, vous êtes deux cowboys. Alors, moi, je suis celui du haut, je suis le bleu. Un gars, une fille. Voilà. Donc, moi, je suis Jean du Jardin. Et il y a Alexandra Lamy qui est en bas. Donc. Il faut évidemment attendre que le... Donc voilà, quand vous jouez pas... Normalement, c'est un jeu qui se joue à deux. Mais quand vous jouez pas, bah, l'ordinateur prend le contrôle. Ce jeu est génial parce que... Paf! Alors, c'est génial parce qu'on peut tirer sur l'autre. On peut se mettre là pour dire, regardez, j'ai une belle robe. Voilà. Et le mieux, c'est de servir des sapins. Il faut se servir des sapins, comme ça, paf! Tu peux faire que des ricochets. Et paf, tu peux te tuer comme un con. Ça, c'est génial. En dessous, c'est le nombre de balles. Alors, un gars, une fille, évidemment. Alexandra Lamy. Paf! Oh, il fait des ricochets! Oh, c'est un dingue! Ah, oh, merde! Dans la gueule! Ah, le con! Ah, le con! C'est pas grave, regardez. Jean du Jardin. Non! Oh, le dingue! Attends. Le mieux, c'est de jouer avec les ricochets. C'est l'intérêt du jeu! Pour récupérer les balles, il faut aller dans le sapin de ta couleur. Alors moi, en noir et blanc, accroche-toi, il y a du vent. Par contre, en couleur, c'est plus facile, je peux voir le sapin. Eh, il m'a niqué. Ah, il est fort, hein, quand même. Hein. Il est énorme, ce jeu. Le jeu du cowboy, c'est une légende. Paf! Paf! Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux insister. Regarde. Tiens! Tiens! Crève! Voilà, c'est vraiment le jeu pour le confinement. Quand on a ras-le-bol de ta femme, tu vas... Tiens! Avec ton chapeau de merde, là! Ah! Il tente le fou! Paf! Génial! Alors, je vais vous montrer, je vais récupérer mes balles. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Regardez, mon sapin, il est là. Vous voyez, ça fait bloup, bloup, bloup. Ça fait des petits sons. Ah! Oui! Regardez ça! Oh, le magnifique ricochet! Il sert à rien, mais regardez! Ouah, génial! Allez, pour finir en beauté. Ah, oh, puis en plus, on va finir en beauté avec la petite musique de la victoire. Il est un peu con, lui. Il va mourir. Il va mourir. Meurs. 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 Monte. Mais monte. Oui, oui, oui. J'ai plus... Ah, il a plus de balles.
je vais l'achever. Moi, je récupère mes balles. Et paf! Et paf! Tiens! Ça va, je suis... on va bien, on va bien. Attends. Là, j'ai niqué, là. Non, là! Ah, tu peux évidemment mourir, hein, Oh, merde! Salaud! Encroyd! Salut à toi! Et Bubu le vidéo pack magnifique! Meilleur jeu du monde! Non! Oh, ça ricoche! Oh non, c'était bon! J'ai fait un super ricochet! Personne ne me traite de mauviette, évidemment, Marty McFly! Biftanen! Oui! Magnifique! Molos Tanen! Fais gaffe, je vais tout dire à Hélène, solidarité féminine. Oh, mais... Oui, c'est vrai, t'as raison. Allez, paf! Il va mourir. Oh, le salon, il va faire un ricochet! Allez, faut que je me concentre. Oh, la vache, le ricochet! Oh! Oh oui! Magnifique! Regardez ça, il est en dehors de l'écran! Regardez! Je le transforme en tas de caca! Magnifique! Oh, je vous aurais tout montré, je vous aurais tout donné ce soir. Oh oui, le chapeau, oui! Oh là là! Magnifique, dernier point, balle de match! Jean Dujardin, Alexandra Lamy, attention! Un gars, une fille! Ah! Elle remonte au score. Magnifique. Personne ne m'appelle Molos. Molos Tanen. Qui t'appelle Molos? Oui! Oui! La victoire! Et le jeu redémarre. Magnifique! Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez retenu tout? Les animations sont belles. Ouais, les animations sont assez fluides en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Faut faire un portage TPC+, mais évidemment, tout est là! Tout est là, très sincèrement! Le Vidéopack, c'est une console de dingue! C'est une console de dingue! Excellent ce jeu! Magnifique! Magnifique! Un joli retour en enfance, mais oui! Pourquoi il a du bide quand il est mort? Je sais pas, c'est... Tu sais, les cadavres, ça gonfle, mais je pensais que ça gonflait, moi, dans l'eau, moi, pas là, quoi! Sinon, je l'encaisse pas! C'est ça! Le Monkey Shine, c'est un des meilleurs jeux de la console, il est facile en plus. Tu veux dire Monkey Shine, le jeu des singes? Mais le jeu... Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Les singes, mais il faut quoi? Il faut se balancer les singes, en fait, c'est ça? Merci pour cette découverte, je connaissais pas. Très sincèrement. Moi, ce truc-là, j'y ai joué donc, quand j'étais gamin. Donc c'est vraiment la console familiale hein, que j'ai là. Hein, c'est vraiment le truc. S'il y a un truc, franchement... Autant les Amstrad, bon bah... C'était mon frangin qui l'avait, l'Amstrad. Il l'a revendu parce qu'il voulait s'acheter une guitare. Bon, bah voilà. Tous les Amstrad que j'ai là, je les ai rachetés en broc, en machin, Le Bon Coin, tout ça. Ça, c'est vraiment la machine que j'ai depuis tout petit, en fait. Donc, j'y tiens, mais vraiment, mais comme à la prunelle de mes yeux. Quoi. C'est vraiment... C'est... voilà. Je suis, c'est vraiment... C'est ça. J'ai un... Vraiment un lien très particulier avec cette machine, elle vient de mon grand-père. Le petit poster sympa, je le remonte pour ceux qui n'étaient pas là, on est 31. La vache! Magnifique. Le petit poster, enfin l'énorme poster que je mettrai, que j'afficherai, avec tous les jeux. Magnifique. Donc on va le laisser dans son jus, hein. Je pense que vous m'avez convaincu de le laisser comme ça. Valeur sentimentale. Il y a plus de monde sur Vidéopack que sur CPC. Ouais, bah c'est clair. Hein. C'est dingue. Hein. Donc, mon précieux. Effectivement, c'est vraiment mon précieux. Quoi. Et à deux, c'est génial. Moi, je jouais avec un pote jusqu'en 2000. Tu peux changer le labyrinthe en temps réel avec le clavier. C'est ce que je leur ai montré, en fait. Que tu peux changer le truc. Il faut taguer les singes et éviter quand ils sont en colère. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, voilà. Bon, bah, après, j'avais jamais trop compris l'intérêt de ce jeu. Bon. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être fun. Il faut... Faut se partager un peu les passions. Moi, là, j'ai essayé de vous montrer un peu les jeux, en tout cas, que je connais. Là, je vous ai pas montré... Je vous ai pas montré ça. Voilà. Ça, c'est des jeux que je connais pas. On les fera, hein. Mais il y a le fameux jeu programmation qu'on fera, évidemment.
J'arrête le stream jusqu'à la prochaine alchimie. Donc, on les fera peut-être une prochaine fois, ouais. Faut jouer à deux, c'est pour ça, Paco. Bah ouais. Bah, je sais bien. Un rétro découverte en vue. Bah ouais, on essaiera des nouveaux jeux, on essaiera le jeu de programmation. En tout cas, je suis halluciné de voir qu'on tourne autour des 30 personnes, 30 GX, pour un vidéo pack. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une machine que, bah voilà, j'ai un affect, alors je suis pas objectif. Mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. De vous faire partager ça en plus, c'est cool, quoi. Et là, SM, non, une autre fois, il est minuit, il faut que j'aille au lit, moi, attends, c'est bon, et demain, demain, je suis instituteur, faut que j'essaye de bosser un petit peu en même temps. Le vidéopack, c'est la vie, ouais, mais franchement, je suis content d'avoir réussi à le capturer en vrai. J'espère que le replay sera cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'en ferai peut-être d'autres, si jamais il y a des jeux que vous avez envie qu'on joue, alors comme ça, de temps en temps, pas faire un stream entier sur un jeu, c'est quand même chiant. Je conçois, hein. Quand on joue Vidéopack, il faut changer les jeux. C'est un peu comme quand t'essayes de concentrer un gamin, quoi. Faut faire des tranches de 10 minutes, quoi. Sinon, c'est chiant, quoi. Après, il y a des jeux d'aventure, hein. C'est des vraies boîtes avec des pions, avec un plateau. T'as même des espèces de ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? Des layers que tu mets sur le clavier. Merci pour la soirée. En tout cas, bah merci à vous. Ça fait plaisir. On va se quitter là-dessus. On va revenir, en tout cas, en scène, voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment magnifique. Quel jeu. Ça fait plaisir. Vous étiez 30. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à... Voilà, à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Il y a de l'Amstrad CPC en temps normal. Il y aura du rétro PC, j'espère, très bientôt. Là, je voulais faire du vidéo pack parce que bah, il n'y a pas de concours GRS12. Il n'y a pas de jeu GRS12. Merci pour cette découverte. Bah écoute, bah, merci à vous en tout cas d'être là et d'être resté. 32, c'est dingue, c'est dingue. J'ai jamais fait autant de scores, même avec l'Amstrad CPC, c'est fou quoi. C'était cool, ouais. Bah disons que j'aime bien, donc du coup, voilà, c'est un truc. Je partage ma passion, la passion du jeu vidéo, évidemment. Dommage que je suis arrivé sur la fin, mais c'est cool de voir que d'autres se souviennent. Mais ouais, mais il y aura la VOD, celle-là, il y aura la VOD, parce que voilà, c'était nickel, quoi. Rendez-vous en mai pour le prochain jeu CPC. Et ouais, j'ai hâte, mais j'espère qu'en mai, en tout cas, on commencera un petit peu à entrevoir la fin du confinement, en tout cas, des solutions pour qu'on puisse sortir un peu, reprendre un peu le boulot. Moi, je suis dans le bâtiment, je suis maître d'œuvre, donc du coup... Bah, les chantiers, non, l'ordre des archis a dit non. Tant que les conditions ne sont pas réunies, il n'y a rien. Vous continuez pas à bosser, donc malheureusement, bah, c'est un peu la galère. Là, j'ai encore un tout petit peu de taf, mais ça, je vais vite tomber à court. C'est pas terrible, donc il faut pas s'attendre, à mon avis, à quelque chose avant le mois de mai. La fin du congé, c'est pas avant le 1er juin. Ouais, je pense que là, ils nous font traîner. Ils ont raison, hein, de toute façon. Je me demande si les gamins reprendront l'école. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Les gamins, c'est franchement, bah, c'est là où il y a le plus d'échanges. C'est là où ils transmettent les trucs. Je vois pas l'intérêt, quoi. D'aller à l'école, tu vas foutre à l'école ton gamin avec un masque. Enfin, c'est complètement idiot. Les gamins vont... Enfin, tu vas aller rechercher tes gosses. Il aura partagé toutes les maladies, même sans le coronavirus. C'est là où tout s'échange, en fait. Toutes les maladies s'échangent. 76 jours à Wuhan, donc faites le calcul. Bah, c'est ça, quoi. J'ai 4 semaines de chômage, mais ma boîte nous conserve le salaire, donc je suis pas trop à plaindre. Bah c'est cool, franchement, c'est pas mal. Moi je suis micro-entrepreneur, donc j'attends l'aide, là, la première aide là pour le mois de mars, les 1500 balles. J'attends là de voir ce qu'ils proposent pour le mois d'avril, parce que autant en mars, j'avais un peu de boulot les deux premières semaines, donc ça a pu compléter et c'était pas mal. J'attends de voir avril, parce qu'avril, moi ça va être vraiment la galère, hein, le mois d'avril. Hein. J'espère qu'il y aura des solutions pour nous, quoi. C'est vraiment la galère. Hein. Moi, c'est mort, je retourne pas encore en... Oh, putain, je tombe pas encore en juin. Ah, bah, putain, ça va être la galère, Zis. L'année scolaire, c'est terminé. Bah, ouais. La boîte garde le salaire aussi. Vraiment beaucoup de chance. En juillet, ils doivent aller à l'école. C'est n'importe quoi. En tout cas, les vacances, faut annuler, hein, les enfants. Si vous aviez réservé, vaut mieux annuler. Hein. Là, je vois, avec ma femme, on avait réservé un camping. On se dit, on va réserver, on va perdre des sous, mais vaut mieux réserver. Tu vas pas prendre le risque d'y aller et de choper quelque chose. T'imagines, te retrouves dans la même piscine que les gens. Côtoyer des gens, enfin c'est pas possible quoi. Faut être raisonnable à un moment donné quoi. On va perdre parce qu'on a réservé, mais tant pis quoi. Malheureusement, voilà, il faut se faire une raison. Hein. Vaut mieux arriver à tomber, même si de toute façon
Même si on est déconfiné au mois de juin, il y aura toujours, le virus continuera toujours à circuler. J'espère qu'on aura les tests, j'espère que ça sera le Puy du Fou annulé, le studio quoi, Harry Potter, une England aussi. C'est con. Alors le Puy du Fou, tu comptes aller au Puy du Fou? Le Puy du Fou, c'est génial. Très sincèrement, je l'ai fait il y a 2 ans, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, le Puy du Fou. C'est exceptionnel, exceptionnel. J'en ai eu, mais des frissons. À un moment donné, j'en ai eu des frissons, mais un truc de dingue, quoi. Le Hellfest annulé, mais c'est normal, le Hellfest annulé. Je l'ai fait il y a 3 ans, le Hellfest, 2 ans, 3 ans. T'as déjà peut-être 3 ans. Wow. C'est pour moi le meilleur parc, c'est clair. 2 fois, on y accro. Le Puy du Fou, c'est à faire, très sincèrement. Ouais, le Hellfest annulé. Ouais, bah de toute façon, c'était sûr. C'est au mois de juin. C'est ce qu'il avait dit, en fait, l'organisateur, là. C'est que là, à partir de ce moment-là, mi-avril, il commence l'installation des structures et tout, du décor. Donc, c'est pas possible, ils vont pas s'emmerder. Je sais plus combien il y a de bénévoles. Je veux pas dire une connerie, 5000 bénévoles. Je veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est énorme. Donc, tu peux pas engager des gens comme ça, c'est pas possible. De toute façon, moi, j'y mets plus les pieds au Hellfest. Moi, j'y suis allé il y a 3 ans. 3 ans, 4 ans, oh, je sais plus. J'y ai franchement passé un bon moment. Hein. C'est la bienveillance, tu vois. Non, par contre, Ziz, faut que tu viennes à l'année prochaine, du coup. Bah, à l'alchimie, putain, faut qu'on se retrouve à l'alchimie. Le Paco, il vient souvent près de chez moi, il passe jamais me prendre une binouze. Shoryu, on va se faire ça. Déjà, avant de vous quitter... Ouais, bah, Golem 13, tu peux dire aussi, je suis près de chez lui, Golem 13. Quoique, t'es quand même un peu plus haut, toi, Golem. Ah non, pas d'alchimie non plus. Bon, on verra. Le truc que déjà, il faut que je fasse, c'est Phoenix. Il faut qu'il vienne, quand même, putain, Phoenix. Il est pas loin de chez moi en plus, Phoenix. Au moins qu'on se fasse un petit stream sympa ensemble, quoi. Ça serait sympa. Bon, écoutez, 30 personnes, c'est exceptionnel. Merci, merci, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir. Pour du vidéopack, en tout cas. La VOD sera en ligne. Il y aura une meilleure qualité. On sera en 720p, surtout pour du vidéopack. Il faut au moins du 720p. Trop cher. Et puis, t'es du 54, donc bah oui, voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que je pourrai aller retourner au moins chez ma mère, quoi. Putain, que je puisse y aller, quoi. Parce que là, du coup, la pauvre, j'essaye d'y aller au moins à toutes les vacances scolaires. Là, putain, c'est sûr, elle est toute seule. C'est que ça craint, quoi. Au moins, j'y vais, je fais un peu de travaux. Tu vois, ça lui fait un peu de vie, quoi, dans sa maison, quoi. Merci pour ce moment. Merci, François Hollande. Non, c'est pas François Hollande. Merci pour ce moment. C'est qui ? Si, c'est ça. Merci pour ce moment, c'est François Hollande. On n'est pas loin de chez toi, mais non, mais... Faudra se faire une espèce de réunion, abonnés, stream, machin, mais à l'alchimie, putain, venez à l'alchimie, c'est atteint l'Ermitage près de Valence. Ça devient triste le confinement, ça devient très long en fait, surtout. Moi franchement, le boulot, les gamins, je les adore hein, mes gamins, mais c'est un boulot instit, hein. C'est un vrai métier. Hein. Ma mère est instit, donc moi déjà de base, je savais ce que c'était, le métier, c'est-à-dire que les gens qui disent les vacances, les machins, ouais, mais les cahiers à corriger entre midi, le soir, préparer les cours. Le soir, corriger les cahiers et tout. Hein? Hein? Puis tapez-vous des gosses. Moi, j'en ai 2 à la maison. Moi, j'en occupe que d'un. Ma femme s'occupe de l'autre. 1 gamin. Ok? Quand vous avez 25 à 30 dans une classe, allez-y. Faites-le, le taf. On en reparlera après. Moi, ceux qui critiquent les fonctionnaires, surtout les enseignants, moi, je sais. Je sais. J'ai vécu ça. J'étais aux premières loges. Donc, c'est bon. 25 gosses à gérer. Les parents d'élèves maintenant, parce que ma mère dit, elle a pris sa retraite en 95, elle a dit je suis parti au bon moment. Parce que maintenant, il y a les parents à gérer. Les parents, quand on voit les attitudes qu'ils ont avec les instits. Hein. Et encore, on n'est pas à plaindre en province. À Paris, je plains, franchement, les enseignants, faites-le le boulot. Franchement, moi, tu me payerais le double de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose, le double de ce qu'ils ont. Je le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est une vocation. C'est un sacerdoce. En enseignement, c'est un sacerdoce. Donc, non. Elle est où, ta maman? Bah, dans le 54. Dans le 54, près de Nancy. Mon frère est enseignant aussi, voilà. Ce qu'elle me raconte, c'est hallucinant. On fait les cours à l'autre enfant aussi, c'est long. Ouais. C'est chaud, hein. Les parents, c'est clair, quoi. J'ai la prof de ma fille en cours de guitare. Ah oui, d'accord. Les parents découvrent que leurs petits anges... Ouais, le pauvre est aussi le sang qui le croit. Oui, alors puis, mon enfant, il est haut potentiel.
Tiens, ton haut potentiel, tu vas voir comme tu galères des fois. Ton gamin, il en a rien à foutre, il est à la maison. Alors même si tu fais pas les devoirs dans la chambre, tu les fais dans le salon. Il en a rien à foutre, lui. Hein, voilà. Moi, c'est tout. Je sais. Je suis pas enseignant, mais ma mère était à ce titre, donc voilà. Ma femme est quoi, et Aspas, c'est l'horreur, les parents. Il se repose sur le... petit con. Non, mais voilà, quoi, faut pas déconner. Franchement, c'est chacun son métier et chapeau. Bref, sur ces bonnes paroles et sur ces bonnes choses, évidemment, on pense évidemment au personnel enseignant, soignant, hein, évidemment, médecin, infirmière, brancardier, et tous les gens qui font l'entretien aussi, on n'en parle pas assez, hein, toutes ces petites mains derrière qui font l'entretien de tout ça, hein, qui récoltent les poubelles et tout, et les trucs des hôpitaux. Allez-y aussi, ça, allez-y, hein, les trucs dégueulasses à nettoyer, tout ça. Franchement, saluons, hein. Merci à toi, merci à vous tous. Évidemment, des bisous aux filles, j'ai pas fait les bisous aux filles, mais bon, on y pense, et surtout les services publics depuis 30 ans, c'est un carnage. Évidemment, mais ça serait ça, c'est un autre débat. Mon ami, à bientôt à tous, merci, encore des bisous. Voilà, la VOD bientôt, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas, voilà. J'essaierai un autre soir dans la semaine, il faut que je me motive. Motivation et courage pour le confinement, hein. Et n'hésitez pas, des pouces bleus, des machins... envoyez-moi des messages sur Facebook, sur machin, voilà. Il y a le groupe Amstrad.eu, voilà, c'est cool. Des bisous et bonne nuit, en tout cas. Et puis à la semaine prochaine, en tout cas pour moi. Et Coco demain. N'oubliez pas Coco demain. Il fait du Ghouls and Ghosts, je crois. Ou du Ghost and Goblin. Non, Ghouls and Ghosts, je crois. Des bisous à tous. Allez, et je vous aime très fort. Hein. 31 encore, merci à tous. Ça fait plaisir, merci. Du fond du cœur, merci.